La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi, bonne fête à vous, à vos familles, à vos enfants. Je suis là, à la maison. Et je vous invite à partager. Nous allons partager l'actualité et partager beaucoup de choses. Hein? Nous allons partager l'actualité. Je vais moi-même partager mon live. Et puis, je compte sur vous pour partager. Voilà. On va faire un petit peu de partage rapidement. Et puis nous allons aller sur le vif du sujet. Je compte sur vous. Bonne fête d'ascension à tous, à vous, à vos familles, à vos enfants et à tous ceux qui... Voilà. C'est férié. Je ne sais pas si c'est férié aussi chez vous. Voilà. Je vais faire quelques tours de partage. Partagez le direct. Je suis aussi sur TikTok. Baronne Suisse officielle TikTok. Je suis aussi dessus, hein. Donc, partagez. Dites aux voisins que la baronne est là, c'est l'ascension. Voilà. Partagez le direct. Alors, on va commencer par une toute petite musique, rapidement. Attendez. Je vais épingler ça. Voilà, vous êtes déjà... Les gens aiment le Ndiapa. Vous êtes déjà rempli comme ça, là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Ndiapa de ça. Vous aimez le Ndiapa, hein? Mince! Les gens sont déjà mélangés comme ça, là. Oh, co, la baronne, nous, on t'attend. Bon, nous allons commencer par la publicité, comme d'habitude. Hein? C'est très important parce que c'est aussi ça le boulot. Hein? Nous avons ce spectacle qui aura lieu le 18 mai du côté de l'Alhambra à Paris. Ça s'appelle Njenda. C'est un groupe de danseurs traditionnels. Ils sont près de 34 danseurs de toutes les régions du Cameroun qui vont présenter un spectacle incroyable. Incroyable du côté de l'Alhambra à Paris. Ce sera le 18 mai. Et je voulais vous faire écouter ça pour que vous sachiez, comment on dit, vous sachiez, on va écouter ça. La seule et unique baronne de Suisse. Comme vous voyez, rendez-vous le 18 mai du côté de l'Alhambra, là où Caresse vous a joué. Nous avons cette grosse jeunesse camerounaise qui présentera un très grand show de danse contemporaine africaine et nous vous invitons, c'est comment on dit ça? Njenda. Njenda, la succession. Voilà. Un spectacle de danse traditionnelle inédit. Voilà. À l'Alhambra, ce n'est que 40 euros l'entrée. Venez voir Njenda, la succession. Et je laisse vous dire quelque chose. Voilà, tout à fait, c'est vraiment magnifique voyage au cœur de la culture africaine nationale camerounaise en particulier. Donc vraiment transporter le Cameroun africain miniature en faisant un spectacle sous forme d'un opéra version africaine. 33 artistes sur scène, danseurs, danseuses, comédiens, interprètes, musiciens qui vont tous ensemble autour de la succession pour transporter vers les quatre grandes ailes culturelles du Cameroun. Donc que ce soit les danses du nord, les danses du centre, du sud, de l'est, que ce soit les danses de l'ouest, les danses sahraouis, venez, tout le monde va se retrouver et se reconnecter avec la culture camerounaise. Venez voir ce que cette jeunesse est capable de faire avec la culture. Rendez-vous le 18 mai du côté de l'Alhambra pour quelque chose d'incroyable. C'est le Cameroun qui gagne, c'est la culture qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Rendez-vous le 18 mai. Merci. Voilà, donc ce sera un spectacle incroyable du côté de l'Alhambra à Paris avec ce jeune troupe de danse qui fait des merveilles. Nous vous attendons massivement, ce n'est que 40 euros l'entrée. Allez donner la force à cette culture-là. Maman, les Ivoiriens remplissent partout, soldats. Voilà une très grosse compagnie qui est à l'Alhambra. Allez remplir, non? Allez remplir, c'est le 18 mai. Et n'oubliez pas, le truc de Jean-Robin Gamo le remplissait. Il a rempli, donc on parle même plus de ça. C'est le 10 mai, l'apothéose. Donc allez massivement là-bas. Je sais que ça va être le feu de mai. Bravo, félicitations à vous et puis ça va aller vite. Deuxième chose,
Le seul général qui nous reste, le général de General of Valsero, sera à partir. Attendez, il faut que je ne dise pas des bêtises, parce que c'est très important que nous donnons de la force à notre général. Le seul général qui nous reste. Hein? On va vous donner toutes ces dates. Voilà. Nous allons commencer par par Marseille. Marseille, ce sera Marseille. Où est l'affiche que je sors? Excusez-moi, je cherche l'affiche hein, parce que j'ai beaucoup d'affiches ici. On commence par la publicité. On ne peut pas ne pas faire la publicité de comment? C'est quand même le général va faire sa publicité bien. Donc le général Valsero, le 14 septembre, ce sera du côté de Paris. Du côté de Paris, au cabaret sauvage. N'oubliez pas. Le 6 juillet, Valsero, du côté de la Madeleine, à Bruxelles. Et le 14 juin, Marseille, en grand, avec le grand Valsero. Et nous allons... Notre Lady Nationale. Notre Lady Nationale. Attendez, où est Lady? Lady Ponce, le 15 avril, par le 15 juin, sera du côté de l'Allemagne, à Wuppertal. À Wuppertal, et je finis par là. Je finis par là. Et Lady, le 19 de ce mois, elle sera du côté de la Suisse pour un des plus gros festivals de la Suisse. Ça s'appelle l'Afrofinster. Notre Lady Ponce sera en Suisse le 19 mai. Ce sera en live et c'est elle qui clôture le festival l'Afrofinster. C'est un des plus grands festivals d'Afrique. Pardon. Africain en Suisse. Il y aura les... Je crois qu'il y a... comment on appelle le grand artiste là? Malien là. Il y a pas mal de très grands artistes et Lady Ponce va clôturer. Il y a des artistes américains le samedi, mais Lady Ponce clôture le dimanche. Si vous êtes du côté de Vinted ou venez. Hein? Nous allons commencer par un petit truc. Hein? La bordelerie. Commençons par saluer Aline Zomomben. Oui. Je reviens avec un produit phare que j'ai déjà, dont j'ai déjà parlé dernièrement, le bois bandé. Le bois bandé. Je vais informer les Camerounais que... Non, nous voulons vous informer que c'est à cause du bois bandé qu'on est assis ici. Le bois bandé. Écoutez ce que le bois bandé peut faire. Écoutez d'abord. J'ai à ma disposition le bois bandé. Oui. Qui est la dignité. Je veux surtout tester ce produit. C'est ça. Je ne veux pas tester avec d'autres personnes que les autorités. C'est ça, ma fille. Une autorité qui achète le produit, je teste aussi avec vous. Aïe. C'est pour vous dire que vous pouvez me joindre au 99 4, le bois bandé 53 58 et je vais vous livrer le produit. Il est à toutes les bourses, mais je veux simplement le tester avec les autorités camerounaises. Parce que c'est ma catégorie. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Ouais. On souffre, hein? Le bois bandé. Nous allons commencer par le premier sujet. Ça va être en train de passer. Je vais donner juste mon avis. Samuel Eto'o a nommé... Il a nommé sa part de staffer. Papa et toi a dit que les affaires comment on appelle ça? Les affaires qu'on dit que c'est le chef de l'État qui a dit là. Lui, il a dit que non. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. Il veut voir clair dans l'affaire. Donc, il a décidé de nommer son staff. Et il vient de nommer son staff.
enlevé tout le monde. Hein. On a gardé le belge. C'est ça que moi... En fait, je donne mon avis. Parce que j'ai remarqué que le pays-ci, allez vous inscrire sur les listes électorales. En 2025, là, tout le monde doit aller voter. On va voter, non? Ils disaient que suffisent. Mais je vais encourager. Mais je sais que la femme ne perd pas sa nationalité camerounaise. Donc on va s'inscrire et on va voter. Et puis ça ne chauffe pas. C'est ça. Allez vous inscrire. Donc, papa et toi a dit que les affaires de haute instruction, là, lui ne comprend pas ça. Il va nommer pour lui, pour voir si c'est pas Paul qui a dit qu'on nomme Marc Brice et les Omamou et les Bassessier. Ou c'est le ministre. Ou c'est le ministre. Lui veut voir clair dans l'affaire. Ah, nous, on est anciens, on guette, on regarde. C'est une bagarre des grands. On va faire quoi? Qui va parler dans l'affaire là? Tu parles si ta tête reste là, tu vas dire quoi? Non! On parle ce genre de choses. Oh, pourquoi il ne faut pas que je voie trop la télé? TikTok, c'est pas grave. Donc, c'est l'affaire des grands. Papa et toi dit que les affaires que les hautes institutions sont parties à gauche, les hautes institutions. Donc, il a nommé son staff. La guerre là, c'est la guerre des grands. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas les affaires que Matt Chopa vient s'asseoir pour parler de moi là. C'est un autre niveau. Donc, comme c'est l'actualité, nous on parle de ça. Parce que moi, j'ai remarqué un certain temps, dès que tu parles de toi, chacun sort là. Oh, tu le détestes trop. Ce que tu cherches derrière toi, tu vas comprendre. Comme si moi j'ai un problème avec le monsieur de Truy. J'ai qu'un problème avec lui. Il m'a fait quoi? Je parle de lui comme je parle de toutes les actualités du Cameroun. C'est normal. Nous, on doit décrypter s'il y a les choses, s'il y a les breaking news au Cameroun. On parle. On parle. Mais pourquoi vous croyez qu'on va parler de Paul? On ne parle pas de lui. Pourquoi? Que oh, tu le détestes. Je ne le déteste pas. Je n'ai même pas intérêt à le détester. C'est un jeune. J'ai quelques problèmes avec lui. Sauf que moi, j'ai l'impression que c'est le nom interdit à appuyer. Dès que tu parles de lui, tes problèmes, on commence à faire comme si tu le détestais. Non, ce n'est pas bien. Et je pense même que l'équipe de communication des taux doit revoir ça. Franchement. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne peut pas dire quelque chose concernant le 9. Ce n'est pas bien. Dès que vous êtes un dirigeant, on doit pouvoir vous critiquer parce que vous n'êtes pas sain. Vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez faire mal les choses, on vous dit ce qu'on pense. Parce que dès que vous critiquez au Cameroun, pourquoi on va critiquer son? Parce qu'il est dans l'équipe nationale. On ne critique pas le président de l'Africa Foot. Pourquoi on va critiquer si ça ne donne pas? Si ça donne aussi, on le félicite. Si ça donne aussi, on le félicite. Bon, il a nommé son staff. Il a nommé son staff, hein. Le belge là, qu'on avait dit qu'il n'est pas bon, là. Le gars a confirmé le belge là. Il a dit que c'est sa part d'entraîneur qu'il a aussi choisi. Sauf que le grand neuf a enlevé au même. Il a enlevé les autres là. Il a dit que lui, il met sa part de Camerounais avec les Idriss Kameni, tout ça. Maman, il a mis sa pierre et puis il n'y a rien. Qui va parler? Et je viens de lire, il les a convoqués demain à l'Africa Foot pour venir prendre les fonctions. Donc ça veut dire que hein, toutes les nominations du ministre là, c'est dans l'eau, posé par terre, on s'est assis par terre. Donc de tout ça, on a sauvé une personne, le White. Le White, c'est lui qui est le White, on a sauvé, non? Tout le reste, elle est... Maman, j'avais vu la vidéo de Oum qui buvait derrière le vin. Il va faire comment? Oum était là. Il faut que je cherche. Attends, on cherche la vidéo là. Je m'en vais sur la page de Washington. Allons, c'est ça. Merde! On m'a fêté comme ça, ça nous a dépassé. Allons, sur ça. Merde, on peut fêter comme ça? Comment on va faire? Hé hé, attendez. Attendez. J'avais même partagé ça en rien. Merde. On peut être bien comme ça? Je ne sais pas si je suis ici. Et Washington, tu as combien de pages, toi, là? Non, je ne vois pas. Maman,
Quand il avait fêté, il est parti féliciter son frère. Il a félicité comme félicitations. Bon, nous sommes déjà 784 partagés. Il faut qu'on arrive à partager. Et sur TikTok, partagez, t'apporter. Les vraies choses arrivent. Maman, il a félicité le gars. Hein. Félicité jusqu'à... Que félicitations, grand frère. Bon, il va faire comment alors? Mais... Et toi là, il peut faire même ton esprit traverser les montagnes. Mais il a nommé, il a enlevé tous ces gens-là. Il a gardé le Watt que j'ai ici là. Il a pris les autres, il a mis à côté. C'est le lait qu'il vous donne. Que c'est moi le chef. C'est tout. Vos affaires de haute instruction là. Maman, on a vu, Oman, il buvait le whisky. Il a bu un petit verre, il a posé comme ça. On a dit félicitations, il dit merci beaucoup. Il a salué. On a applaudi. Maman. Bon, maintenant là, Oman va faire comment? Tout le quartier l'avait à féliciter. Les affaires du Cameroun. Tout le quartier l'avait à féliciter. Son village avait déjà fait la fête depuis. Pour lui dire que papa, c'est toi qui vas représenter le Cameroun. Félicitations. Bon, maintenant là, papa est tout là enlevé. Sans état d'âme. Ha! Bon, en tout cas, nous on observe. Donc, papa Ito a nommé son staff. Je vais vous dire les noms. Parce que j'ai publié ça hier. J'ai publié ça hier. On va lire la nomination du père de Ito. Mais et s'il donne le lait à quelqu'un, mon frère? Attendez. On va aller à la nomination. Je vais lire seulement les noms des nominés, hein, parce que ma vieillesse n'est pas bon. Entraîneur sélectionnaire, Monsieur Marc Brice. Donc Brice a vraiment Brice. Le ministre l'a nommé et toi a renommé. Donc lui là, sa nomination ne souffre de rien. On le met à côté. On le met à côté. Lui, il ne souffre de rien. Voilà. Entraîneur adjoint numéro 1, Monsieur Tundu Pile Martin. Ça, c'est la place de Oman, mais... On va l'aimer. Donc, c'est la nomination du 9. Voilà. Entraîneur numéro 2, Monsieur Pagou David. Entraîneur des gardiens, Monsieur Carlos Igris Kameni. Mais, Kameni a Brice, mon frère. Kameni a Brice. C'est lui qui va entraîner Onana. Vous avez dit que Onana c'est un testateur, non? Il y a son entraîneur, c'est Carlos. On a levé Alioune Bouka. C'était Alioune Bouka qui avait le poste là. Bon, Alioune Bouka, il n'a pas fêté, donc ça va. Ça va. Le gars, si c'est trop compliqué, il va lui rentrer au nord, rester. C'est quoi? Il va venir bagarrer quoi? Le Congo, ça dit qu'on a proposé ça. Tout le monde connaît. Il a dit que hey, je ne veux pas la bagarre là. Continuez sans moi. On a donné à Carlos Kameni. Moi, je dis le Congo ça de derrière. Non? Donc, Carlos Kameni va entraîner Onana. Comme vous dites, il encaisse beaucoup, c'est encaissateur et tout. Hein? C'est Carlos Kameni qui va s'occuper. Donc, maintenant, s'il encaisse les buts, on va regarder Carlos Kameni. Avant, on devait regarder Alioune Bouka. Moi, ma bouche, c'est quoi? Je parle toujours. Donc, c'est ça. Médecin. Docteur Fotso Kwaye Patrick Joël. Coordonnateur général des sélections nationales, c'est là où ça se passe. C'est là où il y a les problèmes. Monsieur Angoua Benoît Christian. Donc on a enlevé Banga. C'est là-bas. Ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a les dons. On a enlevé. On a mis une autre personne. Coordonnateur adjoint. Monsieur Pensi Serge Reynold. Maman. Le père qu'on appelle Pensil. La façon dont il a insulté Eto dans le pays ici. Le gars était sur tous les plateaux télé. Il lavait, il rinçait, il repassait. Il lavait, il rinçait, il repassait. Tout d'un coup, subitement, spontanément, on l'a nommé. On vient de le nommer coordonnateur adjoint. Maman, le pays là, c'est Roha. C'est le pays du Roha. Tu gueules d'abord fort. Si ton adversaire voit que tu parles beaucoup, on vient te mettre à bord. On dit, va t'asseoir là-bas, ne dérange pas les gens, dis donc. Tu ne vas pas de trop.
Merci beaucoup à celle qui m'a envoyé 90 étoiles. Là. Comme je vous ai dit, nous allons faire un don de ce que nous avons reçu aux orphelinats à la fin de l'année. Donc, c'est aussi ça, avoir du cœur. Donc, comme je disais, Pensila, il a insulté Eto'o plus que tout le monde. Les gens disent qu'on a insulté Eto'o ici sur Facebook. S'il y a quelqu'un qui a insulté Eto'o, c'est lui. Maman, le gars, on l'a nommé. Le gars est parti propre. Il est parti. Il est assis. Dans le pays, là, c'est le pays du Hora. On te nomme. Tu sors d'abord tes muscles. Tu sors tes yeux. Tu dis que si on ne me nomme pas, ça t'est. Le gars, on l'a nommé. Le gars est parti prendre son poste. Au calme, il a oublié tout ce qu'il a dit d'Eto'o. C'est le lait qu'on vous donne. Le pays dit non. Bon. Donc, pour le moment, la seule personne que moi, elle pleure dans l'affaire-ci, c'est Omambik. Ce monsieur m'a fait rêver en Coupe du Monde, avec sa tête, son but là. C'est une icône, je suis désolé. Et je me dis, est-ce qu'on avait besoin d'arriver là pour humilier des légendes? Ça fait mal. J'espère que... Nous, on n'a aucun problème, mais on observe et on commente. Si le ministre des Sports marque le but, on commande. Si Eto'o marque le but, on commande. Pour nous, quoi? Nous, on n'a pas de problème. Donc, pour le moment, là, on a nommé un autre staff. Ils sont même attendus à l'Africa Foot demain à 11h. On les a déjà convoqués. On a dit à Marc Busquets, laisse les trucs là, que le ministre a nommé là. Tu es nouvellement nommé, il faut venir prendre fonction demain à l'Africa Foot à 11h. C'est le lait qu'on vous donne. C'est le lait qu'on vous donne. C'est fini. C'est terminé. Donc, pour le moment là, la bagarre qu'il y a là, nous on observe, ça va finir la CPI. C'est là où tu vois que le Cameroun, c'est le football des lions qui tiennent le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le football. C'est le football des lions qui tiennent le Cameroun. Nous allons faire une petite transition en écoutant une petite musique qui n'est pas encore sortie. Et je vous fais écouter ça en exclusivité. Il s'appelle Excalibur de Petit Pays. C'est un jeune qui monte très fort que je vous ai parlé depuis. Vous vous rappelez, j'ai parlé de cet enfant depuis ici. Et vous avez aimé. Nous allons écouter un petit peu son son. Quelques minutes avant d'aller sur le bon sujet que vous attendez, parce que vous aimez le diapap. Je vous ai dit que cette page ici parle de tout, en respectant les autres. Attendez, je vais fermer un peu ici. Hey. Hey. J'ai le soleil dans les yeux et puis c'est pas bon, ça me fait un peu mal aux yeux. Voilà, c'est un peu mieux pour moi. Nous allons écouter quelques minutes Excalibur de Petit Pays avant de lancer le vin diapap. Voilà, ça sort très bientôt. Excalibur de Petit Pays, c'est un jeune que j'aime beaucoup, que je donne de la force. Et actuellement, son nouveau bébé arrive très bientôt. Nous allons aller au deuxième sujet de Michel Essoma. Les gens vont me... Attendez, je bois un coup. Pourquoi? Attendez, mets la lumière. Hey, pourquoi pas le... Voilà. Je voulais parler de Michel Essoma. Pourquoi je m'intéresse à elle? Partagez le direct. Maintenant, c'est le vrai sujet que nous allons aborder. Vous savez, comme je vous dis, je ne m'intéresse pas aux gens tant que le dossier ne vient pas me trouver sur les réseaux sociaux. Je me rappelle très bien, je vais toujours me référer à ma première sortie avant que je n'entre dans cette histoire-ci. Allez vous inscrire sur la liste électorale. 2025, c'est bientôt. Donc, dimanche surpassé, qu'est-ce qui se passe? Moi, la baronne,
je vais sur le internet pour envoyer un tomahawk à Marie-Claude, la compagne de Achille et Mana. Parce qu'il y a eu un voice qui a fuité. Merci beaucoup pour les étoiles. Comme je vous ai dit, nous allons envoyer ça à la fin de l'année aux orphelinats pour donner de la force. C'est aussi ça. Si on travaille aussi, on peut partager. Donc, comme je disais, moi, j'ai parlé très fort contre Marie-Claude. J'ai de la peine à prononcer son nom parce que je ne la connais pas. Et puis, mais j'estime que parfois, on ne doit pas connaître quelqu'un pour donner de sa voix. Donc, je l'ai atomisé parce qu'il y a une voice qui a fuité. Et je me rappelle que vous vous rappelez tous de cette voice. C'était très grave. Vous vous rappelez tous de cette voice où elle a atomisé son compagnon. Et c'était une voice interne. Le voice est sorti. Moi, j'ai fait un direct ici pour l'accuser. Sauf que je lui ai donné la parole le lendemain pour s'expliquer. Elle s'est expliquée devant nous tous. Matouzou est sorti avec les gros sabots pour faire les miennes et commencer les insultes. C'est comme ça que moi, j'atterris dans le dossier et dis que je vais mettre mon nez dans la fessie. Je vous ai toujours dit que moi, vous pouvez m'insulter, faire tout là. Mais dès que vous insultez mon mari là, on va s'asseoir sur Facebook ensemble. J'ai toujours dit ça. Insultez-moi, mais n'insultez jamais mon mari. Si vous insultez mon mari, on s'asseoit sur Facebook. C'est tout. Moi, là, comme je vous dis, ce monsieur-là m'a assumé 24 ans de mariage, bien compté, pas qu'un jour a sauté. Donc, moi, là, je porte son nom et ses enfants portent son nom et je ne vais accepter que personne piétine. Donc, Marthe Zoua est venue l'insulter. Le monsieur de plus vient de mourir, là. J'ai dit, ok, je vais mettre mon nez dans tes affaires. Juste parce que j'ai donné ma page à quelqu'un pour venir, quelqu'un que j'ai atomisé la veille, à venir s'expliquer. Elle est venue entrer dans les gros sabots, insulter tout le monde pour exister. Ok, j'ai donc dit que, ok, on va aller sur Facebook, puisque c'est ça. Je vais vous raconter pourquoi je veux parler de Michel Essomba aujourd'hui. Michel Essomba. Je l'aperçois, moi je ne l'ai jamais vu. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Mais je la vois dans les soirées, à gauche, à droite, les tables et tout, et tout, et tout, et tout. Je ne m'intéresse pas. Et pour si Mireille, ce n'est pas moi qui ai commencé à l'insulter la première. Et je vais d'abord te bloquer. Tu peux aller l'attendre chez toi. Chouin. Mettez les cœurs. Partagez. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Donc, quand j'ai donc parlé, j'ai donné la parole à l'autre. J'ai posé toujours la question, qui avait intérêt à ce que Marie-Claude, qui a amené le corps de sa belle-mère jusqu'au Cameroun, ne puisse pas être à la levée de corps, alors que tout avait été... Ça, c'est Marie-Claire. Marie-Claude, pardon. En Simalé, avec le corps de sa belle-mère. La voici. Voici la fille de Pluie. Quand le corps est arrivé. Comment quelqu'un va amener un corps et n'est pas pour deuil? Parce qu'on a fait fuiter un combat entre elle et son conjoint. Pour l'empêcher. Qui a fait ça? Pour moi, là, je soupçonne, je n'ai pas de preuve, je soupçonne que Achille Mana a envoyé, comme il a envoyé le voice à sa famille, l'autre aussi, Michel Essomba, a reçu. Et ils ont traficoté parce que si on regarde bien, qui avait intérêt à ce que Marie-Claude ne soit pas au deuil? Il n'y a que ces deux-là. Il n'y a que ces deux. Quand vous regardez l'affaire, comment elles ont fait?
Je commence donc à m'intéresser. Je commence donc à m'intéresser à l'histoire exacte de Michel Essoma. Parce que, entre-temps, je vais donc regarder sa page, je vois les stories. Achille mon bébé, Achille mon amour, Achille mon chouchou, le cœur du ballon, vraiment ne pleure pas trop, vraiment je t'aime de tout mon cœur. Je dis, ah, on peut aimer comme ça? Donc le monsieur là, il est en train de jouer le ndorti dans la tête de deux gars. Jusqu'à on sacrifie une gars, on la jette à la vindicte populaire. Moi, depuis le début, j'ai dit que si vous voulez prendre Achille, prenez-le sans taper le dicalo et sans manquer de respect à cette dame. Vous pouvez, elle a vécu 5 ans avec Achille et Mana. On ne l'avait jamais entendu. Vous êtes arrivé à peine quelques mois, on ne respire plus. Comment Maté Chopin entre dans l'affaire Achille et Mana? Je vous raconte le début. Puisque Maté Chopin ne parlait pas avec Michel Essomba. Maté Chopin clashait Michel Essomba. Elle a même dit dans son direct qu'elles avaient eu quelques problèmes. Et clashait propre Michel Essomba. Sauf que quand Michel Essomba commence à faire les statuts, Achille mon bébé, mon amour, mon cœur, mon ceci, Maté Chopin prend ça et met sur sa page pour commencer à clasher Michel Essomba. Michel Essomba voit que Maté Chopin là, c'est une pipelette. Elle va gâter son tapioca. Elle entre derrière en combox. Elle n'a pas parlé à Maté Zoua. La femme des autorités dans sa grosse tête. La femme d'autorité dans sa tête. Elle entre en contact avec Zoua. Elle dit à Zoua que ouais, ne garde pas mon mariage. C'est comment avec toi et tout et tout et tout et tout et tout. C'est comme ça que, puisque Michel Essomba n'était pas au deuil. Parce que quand la pêche au Cameroun, maman, c'est les affaires de Facebook, hein. C'est les affaires de Facebook et des réseaux sociaux qu'il a aperçu là-bas. Donc, quand elle parle donc à Maté Zoua, ça s'arrange, non? Maté Zoua redevient tout d'un coup sa mère. Elle décide donc que c'est Maté Zoua qui va la représenter au deuil. Puisqu'elle est ici en France, assise par terre, en train de guetter que sur Facebook, mon amour, tes tablettes de chocolat ne dorment pas. Oui, ne t'inquiète pas, chouchou, je t'adore, je t'aime. Ouh, mon amour, laisse la jalousie, maman. C'est le statut que tu veux voir. On peut aimer comme ça sur en virtuel. On peut aimer quelqu'un comme ça en virtuel. Hé, hey, maman, vous faites ça comment? Nous-mêmes, devant, on n'arrive pas à gérer. Quelqu'un, tu l'aimes comme ça en virtuel, on ne respire pas sur les réseaux sociaux. Donc, Maté Zoua, qui ne connaît pas Achille, entre-temps, Achille flirtait sur les réseaux sociaux. Enfin, il flirtait en une box avec Michel Essomba. Le gars avait les deux noms. Ça laisse qui? Maman? Avec tous les dos que le gars a gagné, il veut les dos. Flirtage, flirtage. C'est comme ça que Michel Essomba donne le numéro d'Achille et Mana. Que maman, tu es là devenue ma mère, non? Maman, un coup, les gars qui se battaient sont devenus amis. Juste parce qu'elle veut écarter Marie-Claude qui est là depuis 5 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Elle donne le numéro, elle-même, elle dit, elle donne le numéro d'Achille à Maté Zoua et elle donne le numéro de Maté Zoua à Achille et Mana. Entre-temps, c'est comme ça que, puisque celle qui a pleuré le deuil et qui n'était pas au deuil, puisque on peut pleurer le deuil, on est assis, non? Si on envoie les dos, je vous ai dit que le gars qui donne les dos est capricieux. C'est donc comme ça que, puisque Michel a dit les dos, non? Pour le deuil de sa belle-mère, hey! Qui ne va pas pleurer sa belle-mère? Elle a donné. Donc Achille appelle donc Maté Zoua. Erreur dans le camp zambien. Erreur monumentale. Entre-temps, Achille rythme Michel. Que lui n'est même plus avec Marie-Claude et tout et tout. Regarde même d'abord comment elle me parle. Sûrement, c'est là où les voix sont futées. Je suis sûr. C'est-à-dire que
ce sont les hypothèses. Moi, je suis inspecteur d'Eric. Il y a quoi? J'imagine. Donc, les voix, là, puisqu'il avait dit à sa famille, c'est un truc que vraiment, elle me parle mal, elle me parle mal. Sûrement, dans les flottes, là, il a dit que, mais je t'ai dit que, mais moi, là, il n'y a même plus moi. Elle me parle mal, hein. Tu connais quand tu dois d'ailleurs, tu veux déjà chasser l'autre, non? Tu veux déjà dire que. Mais entre temps, l'anga est dans l'avion avec la dépouille de ta matière. Mais tu ne gères pas ça. C'est le don que tu veux d'abord. C'est quoi? Et c'est les gigolons, le cœur, mon frère. On gère les dossiers comme on peut. On te réalise, on t'accompagne. Ce que tu vas entendre, on va dire. Que, regarde même d'abord comment elle me parle. Regarde, est-ce que tu trouves normal que celle avec qui je sois, elle me parle comme ça là? Je te dis que s'il n'y a plus rien entre nous. Ma chérie, c'est ta place. Maman, Michel Essumba. Hey, je vous ai dit, maman, vous aurez honte. On va même se marier en 2025. Vous avez peur de quoi? Maman, quelqu'un que tu n'as pas vu. Hey, le gars, lui, exé sur les dos. Il a quel problème? Il a quel problème? Donc, c'est comme ça que, sûrement, les Ngalans ont reçu le voice là. Et puis, ils se disent que, merde, Michel Essumba n'est pas là. Il n'y a que Marthe Zoua qui est partie se promener. Comment on fait pour que Marie-Claude ne soit pas à la levée de corps? Bam! Le voice se sort. Juste à la levée de corps. Hey! Les parents vont regarder comment. Maman, tout le monde était d'abord mélangé. Non? On va faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est mélangé. Toi-même, tu es choqué. Un voice que tu envoies à ton gars, tu le lavais comme le citron. C'est sorti. Là, tu peux même la lever, la famille. Le grand père lui avait dit que. Donc, c'est tout ça que tu allais ramasser. Une femme qui t'insulte comme ça. Parce que, on va tout dire, les familles guettent quand même. Donc, quand c'est parti, Serge Tamba, avec ses petits pieds là, c'est lui qui a partagé ça beaucoup. Quand c'est sorti, le gars a partagé ça comme les bonbons. Serge Tamba, c'est le chef. Il a mis dans tous les groupes WhatsApp, ça partait comme le citron. Ça partait comme le citron. Donc, c'est parti. C'est parti en mode vite fait. Donc, quand ça part là. Donc, pendant que Marie-Claude est en train de s'habiller pour partir à la levée, les voix là arrivent. Elle dit que c'est ma voix ici là. On dit que oui, c'est ta voix. C'est toi qui es en train de laver ton gars comme ça. Au même moment, les nudes sortent. Les nudes de 2014. Fiam! Ça se verse dehors. C'est gâté. C'est mélangé. Maman, même si tu es qui, tu ne bouges pas. Parce que même le grand-père du village, c'est moi, ses yeux. Les tantes du village qui ne comprennent pas Facebook. Parce qu'on les envoie souvent dans le téléphone, elle écoute. Elle écoute comment Marie-Claude parle. Elle dit que hey! C'est la qualité de femme, c'est que. Donc, on va laisser la levée de corps pour bien pleurer. On va se mentir, regarder. Marie-Claude dit hey! Elle s'est assise chez elle que, attendons, la fesse se calme. Elle est partie à la levée. Mais les qui avaient intérêt à ce qu'elle ne parte pas? C'est le nouvel amour. Qui a aussi aidé pour le deuil. Donc, il fallait que, comme elle n'est pas venue au deuil, qu'elle, Marie-Claude qui est sur place, elle ne parte pas. Oui! Gâté, c'est gâté dans le pays de gâté. C'est tout. Gâté, c'est gâté dans le pays de gâté. C'était terminé. Marie-Claude s'est assise chez elle. Elle a regardé aussi le deuil à la télé. Comme l'autre était ici en France, elle regardait le deuil à la télé. Zoua! Avec ses pieds, elle a posé que ma fille m'a confié les trucs. Nyonga d'abord. Maman, Zoua entre dans l'affaire. Comme elle ne connaît pas bien arranger les choses, elle est partie là-bas gâtée. On donne le numéro. Michel Essumba donne le numéro à Max Zoua que va me représenter au deuil. Je ne suis pas là. Parce qu'ils ont écarté Marie-Claude, non? C'est bon. Marie-Claude a fait problème. On l'a écarté. C'est fini. Marie-Claude est assise chez elle. Elle dit que, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais partir. Je vais expliquer comment. Maman, les voix sont dehors. Les nudes sont dehors. Elle commence par où? Donc, elle est assise. K.O. On a fini sa part. Elle est assise. On gère plus son cas. Maintenant, Marthe soit entre comme la reine-mère. Une fille, Michel Essumba, avec qui elle ne parlait pas, elle faisait des problèmes. Et comme elle aime le Miyene, le Mathieu,
Elle dit que mais elle va rater l'occasion. Pourquoi? Elle entre dans l'affaire. C'est là où elle. Ça s'est alors vrai mélangé. Elle part. Donc, Michel se met dans le numéro. Achille Mana, c'est lui qui appelle Marthe Chopard pour qu'elle aille. On a vous. Au lieu du deuil. À la maison du deuil. Marthe Chopard s'habille. Elle prend ses trucs en noir. Je m'en vais représenter ma fille. Elle arrive là-bas. Maman, tu arrives au deuil. Au lieu de pleurer le deuil de ta fille, discrètement, tu embrasses le gars qui a perdu, votre beau-frère, fils qui vient de perdre sa mère, vous le cajolez. Première chose, elle prend la photo avec lui. Marie-Claude, l'affaire est finie depuis 6 mois, tu ne seras plus jamais ici là. Hein? Elle part là-bas pour consoler le monsieur qu'elle n'a jamais, elle n'avait jamais vu. Peut-être qu'elle avait aperçu Achille Mana, mais elle n'avait jamais eu de contact direct avec Achille Mana. Elle atterrit. Dès qu'elle atterrit, on l'a reçue. Pourquoi on l'a reçue? Parce que Michel Essomba a casqué pour le deuil de sa belle-mère. Oui. Je vous ai dit que le porteur d'argent est capricieux. C'est comme ça que Marthe Zouava a représenté Michel Essomba au deuil. Elle arrive là-bas. Au lieu de bien se comporter, elle prend ses affaires de villageoise, elle l'amène là-bas. Elle vient, elle gâte tout. Le Congo, ça, elle va laisser le Congo, ça, où? On amène les filles comme ça. Je dis, Michel Essomba, tu n'as pas une autre mère un peu plus classe au Cameroun qui peut te représenter sans que ça amène tout ce bruit? Elle décide donc d'humilier encore plus Marie-Claude. Première chose, Marthe Zouava tweet avec la photo d'Achille Mana pour narguer Marie-Claude que tu ne vas plus jamais mettre le pied ici à Louboudi. Un endroit que la fille de Puy partait sans tambour ni battant pendant près de 5 ans. Elles viennent là, elles posent leur gros pied de sabot pour gâter tout. Pour gâter tout dans un couple. Est-ce qu'on peut venir dans un mariage, dans un couple où on vient gâter, on ne peut jamais s'installer heureux. Ne gâtez jamais un couple pour vous installer. Parce que les larmes de cette fille-là vont vous poursuivre. Faites toujours que ne gâtez jamais un couple pour vous installer. Ça ne marche. Même vous, vous allez aussi avoir des pleurs. Ça ne marchera jamais. Ce n'est pas bien. Elle arrive là-bas, au lieu de consoler Achille, elle fait premier tweet. Marie-Claude, une menteuse. C'est depuis, on t'a barré depuis. Tu ne poseras plus jamais les pieds ici à Louboudi. C'est son premier tweet. Elle est partie, on d'avoue, juste pour consoler Achille Mana par rapport à sa fille de la France, Michel Essomba. Elle arrive là-bas, elle attaque frontalement Marie-Claude. C'est là où Marie-Claude aussi voit que, hey, c'est le qui ici là. Tu comprends? C'est là où elle aussi voit parce que au départ, elle ne les voyait pas. Elle dit que, hey, ceux-ci sortent d'où? Vous comprenez? C'est comme ça que elle arrive, elle commence les problèmes. Elle tweet, elle insulte la fille avec la photo d'Achille Mana. Lui aussi, il est là avec les photos. On filme. On pose, on insulte celle avec qui il a vécu 5 ans. Si cette fille voulait vraiment faire du mal au gars, mais elle a vécu quand même avec lui 5 ans, sûrement elle a beaucoup de ses secrets. Est-ce qu'elle devait faire petit? Quand une femme est fâchée, elle peut te verser, il n'y a rien pour te ramasser. D'accord? Donc, quand donc, je vous explique pour que on atterrisse dans les histoires d'argent. Quand donc Marthe Chopard tweet, elle prend et filme toute la résidence pour montrer que Marie-Claude n'est rien. Elle vient sur ses réseaux en insultant la fille de Pruy. Vous voyez les histoires? On peut faire ça? Quelqu'un qui a amené la dépouille de sa belle, mais vous venez l'humilier comme ça au Cameroun? Est-ce que ça se fait? Pendant ce temps, celle même qui était. Pourquoi Michel Essomba n'a pas voyagé pour venir au Cameroun? Elle t'envoie. Elle pouvait elle-même voyager pour venir au Cameroun. Elle pouvait elle-même venir. Non, elle n'est pas venue. Elle t'a envoyé devant. Ok. Marthe Chopard finit. Elle rentre de chez Achille. Si tout ça, c'était seulement que, oh, elle a filmé, ça s'arrête là. Oh.
Elle a filmé, ça s'arrête là, il n'y a pas de souci. Maman, maman, on n'a pas respiré. Elle l'a insulté. Attendez, je vais vous montrer. Voici le direct là. Attendez, on va laisser. Attendez, ça part de là. Parce qu'il faut bien dire les choses. On ne peut pas voir des gens comme ça. Oui. Voici ça. Mais je suis propriétaire à Yaoundé. Je suis veuve suisse. Donc il était hors de question que je vienne vers toi. J'ai attendu que tu viennes vers moi. Voilà. Quand c'est... Les malades, venu vers moi avec... La voici qui vient insulter la femme. Elle dit qu'elle part chez les gens. Elle pas fait les vidéos. Elle insulte la fille. Elle met les photos, elle parle du mari, de la fille, de son ex-mari, de ses enfants. Elle mélange tout le monde. Parce qu'il faut que vous sachiez où le problème vient. C'est Marc Chopin qui a créé tous les problèmes là. Elle dit que c'est Achille Mana qui lui a dit, voici ça. Respect. Je suis parti l'écouter. Je suis parti l'écouter. Tu es parti écouter Achille. Je marche avec les femmes qui ont bâti. Oui, maman. Qui sont propriétaires. Ha! Maman, ce sont ces dames qui me respectent. Mmh. Tu comprends? Mmh. Ce sont ces dames qui me respectent. Mmh. Je mange avec les dames qui ont gâté le passé. Merde. Elle parle de Marie-Claude. Je passe avec les femmes qui ont marché avec le nom. J'étais. J'ai fait un enfant avec l'ex de Chantal Biya. Vous avez entendu? Quand je suis la famille présidentielle. Tu as quelle alliance avec la famille présidentielle? Vous avez entendu? L'enfant. N'oubliez pas ça. Dans le père des jours de ma Chantal. N'oubliez pas ça. Écoutez très bien ce qu'elle dit. Hein. C'est elle qui amène l'affaire, qui s'aggrave là où tout le monde entre dans l'affaire. Écoutez. Ma Chantal est ta rivale. Ma Chantal est sa rivale. Tu te retrouves dans sa... Tu as mis ta nièce. Sandra. Oui. Allez faire les enfants avec ton beau-fils. Mais. Ça veut dire que ma Chantal est à ta personne. Merde. Ça veut dire que ma Chantal est ta personne. Écoutez tu ça. Tu es la famille présidentielle. Tu es la veuve de... Tu es la veuve du père des choux. Écoutez. On parle de la famille présidentielle du Cameroun. C'est toi-même qui m'avais dit. Tu t'étais confié à moi. Oui. On t'avait interdit le Cameroun pendant un temps. C'est toi qui me l'avais dit. Merde. C'est pour ça que tu as fui aux États-Unis. Marthe Zouana n'a jamais vu Marie-Claude. Écoutez. Ok? Avant qu'on ne développe. Quand tu es dans une île, c'est toi qui me l'avais dit. Tu lui as parlé que je t'ai confié mes couilles de couple. Toi aussi, est-ce que j'ai commencé à parler, Tu m'as parlé de ta vie. Donc, elle a parlé de ça. Et la voici qui accuse Coco Emilia. C'est elle qui a reçu ces nudes-là. Ça, je peux dire. Elle parlait des nudes. Pour qu'on finisse par là. Achille sortait avec Biscuit de mer. Oui. C'est à elle. Oui. Qui l'avait envoyé ça. Oui. J'ai dit, donc, Michel Essomba envoie Marthe Chopin chez Achille Mana. Elle n'avait jamais parlé avec le monsieur. 3 heures de temps. Là, voilà qui bavarde tout ce que Achille lui a dit. Que c'est Achille Mana qui lui a dit que tel biscuit de mer avait fait comme ça, Achille Mana avait fait comme ça, tel avait nioxé avec tel, Marie-Claude n'était plus là depuis 6 mois, on l'avait barré. Bon. Si tu vas rendre visite à quelqu'un pour le deuil, on te fait les confidences. C'est ça que tu vas dire. Tu vas venir verser sur Facebook. Tu vas venir verser sur Facebook. Bon. Ça part de là. Ça se passe dans l'entre nous les femmes. Donc, c'est... On ne va pas oublier ce que tu as fait, Marc. Il faut bien t'asseoir. C'est biscuit de main qui te tenait les nudes. Voilà. Je dois vous rétablir la vérité. Biscuit de main détenait les nudes. C'est pour que vous n'oubliez pas. Je rappelle, la répétition est la règle des choses. Marthe Chopin dit ça. Marthe Chopin oublie de dire que Michel Essomba qui l'a envoyé là.
Elle pleure dans tous les inbox pour prêter l'argent aux gens à Paris, dans la France. Moi, je me suis assise quand l'affaire a commencé. Les gens sont venus m'appeler. Que Don Michel et son m'a prêté l'argent ici, c'est pour aller donner à Achille et Mana. L'argent que nous, on souffre ici. L'argent que nous, on a des problèmes. Michel Essomba a pris à Mémé Kouetou 5000 euros. Benzinia, 2500 euros. Je cite qui, je laisse qui. Je cite qui, je laisse qui. Donc Michel Essomba passe de inbox en inbox pour prêter l'argent. Vous imaginez mes frères, prêter l'argent pour aller donner à Achille Mana. On peut faire ça. On peut faire ça. Ma soeur, tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de gens dans ta famille qui ont des problèmes. Quelqu'un que tu n'as même pas encore vu. Je dis, vous faites même souvent ça comment? Vous faites même souvent ça comment? Vous faites comment? Hein? Tu prêtes l'argent à gauche, tu demandes à droite pour remettre à gauche, pour remettre à droite. Mais est-ce que tu rembourses? Tu ne rembourses pas. C'est pour ça que c'est venu me trouver. Parce que les gens pleurent leur argent. Vous savez, ce qui est mauvais avec. Ce qui est bien, c'est que les gens pleurent toujours en bas, en bas. Les gens pleurent toujours en bas, en bas. Quand ça cuit, ça vient toujours nous trouver. La semaine, il y a deux jours, elle devait rembourser les 2500 de Benzinia. Benzinia avait pris l'argent là à une autre dame de sa réunion pour péter à Michel Essomba. Elle dit aujourd'hui, elle ne donne pas. Demain, elle ne donne pas. La femme est arrivée dans le restaurant de Benzinia. Elle a failli tout casser là-bas. Elle a failli tout casser là-bas. C'est moi qui l'ai appelée pour dire que maman, laisse, ça va aller. Elle va te rembourser. Mémé, 5000 euros. Si même elle prenait l'argent là pour faire quelque chose, c'est pour aller faire les millions et aller se battre contre Marie-Claude. Est-ce qu'on a entendu que Marie-Claude a prêté l'argent à quelqu'un pour donner à Achille? Quand vous voulez faire le millions, faites avec votre argent. Ne faites pas avec l'argent des gens. Ça, c'est l'argent de la souffrance. Ne faites pas. Il faut dire à Achille que tu as trop de dettes ici en Ben, que tu as pris pour lui donner. Tu as pris beaucoup d'argent ici, aux associations, aux privés, aux gens, à gauche, à droite. Tu as cotisé, tu lui as envoyé. Ok, c'est ton droit. C'est ton droit le plus absolu. Sauf que l'argent que tu as pété là pour donner à Achille Mana, il faut lui dire que tu es harcelé ici là. Tu fuis même les gens. Tu es harcelé parce que les gens demandent que tu les rembourses. Ou tu es en train de supplier à gauche, à droite. Que oh, vraiment, ma mère est malade, ma mère est ceci, ma mère est cela. Nous allons commencer par écouter quelques personnes. Arrêtez de parler en bas. Et je tire votre attention. La diaspora, là, vous qui prêtez l'argent toujours en bas, comme vous aimez toujours la facilité, là. Quand vous prêtez, je ne veux plus entendre dans mes oreilles, en bas, que vous pleurez que Michel Essomba vous doit l'argent. Et elle pas donné aux hommes au Cameroun. C'est son droit, elle peut donner. Mais si vous prêtez, sachez que pour rembourser, vous allez faire le toléka, vous allez marcher à gauche, à droite. Vous allez marcher à gauche, à droite. Vous êtes prévenus que ceux qui vont continuer à prêter ne pleurent pas. Zéro pleurs sur les réseaux sociaux. Zéro pleurs dans mon inbox. Chacun gère ça tranquillement. Moi, ce qui me fait mal, c'est que l'argent que nous avons, je sais la souffrance que nous avons ici, chacun cotise 500 euros pour avoir. Mais quelqu'un porte ça et s'assoit, elle va donner à quelqu'un qui a très bien gagné sa vie. Le monsieur qu'on appelle Achille Mana, c'est un lion indomptable. Le monsieur avait des salaires de 400 000 euros par mois. Ce n'est pas que
quelqu'un qui a eu faim. Ce n'est pas pour quelqu'un qui a eu, qui n'a pas bien réussi sa vie. Comment quelqu'un qui se bat peut porter l'argent et tu prêtes l'argent, ce n'est même pas ton argent. Tu prêtes ici, dans les réunions, partout, les gens te pourchassent. Les gens te pourchassent en diaspora. Tu finis de cotiser tout ça. Tu envoies quelqu'un que tu n'as même jamais vu. Que tu, peut-être tu l'as vu en cachette. Mais au vu de mes enquêtes, vous ne vous avez jamais vu. C'est les appels WhatsApp, vidéo. On peut faire ça? Non, quand tu veux donner l'argent aux hommes, il faut que ce soit ton argent. Il ne faut pas que c'est l'argent de la sueur des gens. Il ne faut pas que c'est l'argent de la sueur des gens. Il ne faut pas que c'est l'argent. Donne-moi et dis ici à mon frère Achille Mana que papa, Tanga a trop de dettes ici là. Elle nous a même d'abord dit que vous mariez bientôt. Maman, si vous avez ma part d'invitation, envoyez-moi. Je vais venir au mariage. Je vais venir avec une caisse de champagne. J'ai décidé ça. C'est ma part de contribution. Je n'ai pas, moi, je n'ai pas l'âme dans mon cœur. Donc, si Achille Mana va se marier avec Michel Essomba, Oyonga, 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 moi, je suis là. La caisse, ma caisse de champagne pour saluer les mariés ne souffre de rien. Ma caisse de champagne ne souffre de rien. Sauf que, papa, n'oublie pas, les dons qu'elle t'envoie là, c'est les dons qu'elle prête ici là. Donc si tu peux, parce qu'il y a les pleurs, tu vas écouter, non? Il y a les pleurs. Si tu peux même préparer 20 000 euros, tu envoies, on partage à tous le monde à qui elle doit ici là. On quitte sur ça. Si c'était ton argent, on n'allait pas parler. C'est parce que c'est l'argent des gens. On prête à gauche, on remet à droite, on pleure à gauche, on pleure à droite. Non, c'est l'argent de la sueur des gens ici là. Comme j'ai dénoncé Nzomombem qui avait volé le bobolo au Cameroun. J'ai dénoncé. On ne peut pas avoir des gens en diaspora qui prennent l'argent à gauche, à droite, et ils vont nourrir les hommes au Cameroun. Si c'est leur argent, il n'y a pas de problème. Mais les gens te prêtent sans problème. Mais pour rembourser, ils marchent derrière toi matin, midi, soir. On peut faire ça? Mon frère, donc, tous les jours, on t'a pour venir finir comme ça. Gigolo Promax. Non. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Donc, papa, si avant de vous marier là, cherche moi 20 000 euros, tu envoies, je partage à tout le monde. Mais mes quatre, son argent, c'est 5 000 euros. Benzinga, on a fait casser son restaurant il y a deux jours. Parce que l'Angak avait. Donc, on a appelé Ben. Ben a envoyé une de ses amies donner l'argent à M. Lesomba. On dit qu'aujourd'hui, demain, la femme pluie a des trucs au Cameroun. Elle pleure partout. Elle est partie. Elle a dit, ben, dire que je ne connais pas Michel Essomba. Tu vas seulement me donner l'argent là. Elle pleure partout. Nous allons écouter. Allô, oui. Bonjour, Michel. Il est presque 14h. Hein. La moindre des choses, je pense que c'est à 5 000 euros. Écoutons. Donc, il faut que l'amour là ne s'arrête pas sur Facebook. Maintenant, là, nous demandons au nouveau beau des beaux, au nouveau mon bébé, mon chichou, de nous envoyer l'argent de la diaspora. On partage à tous ceux à qui elle doit, on quitte ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on veut que le beau des beaux, le nouveau beau des beaux rembourse la diaspora. C'est l'argent de la sueur. Le nouveau beau des beaux, le chéri, le chichou, le disque de la panthère. Le grand Achille Emmanuel, le disque de la panthère. Papa, si tu peux rembourser pour ton épouse, nous on est dedans. Tu rembourses, tu m'appelles même, non? Moi, je suis là. Tu m'appelles, tu dis que Mémé, quoi, tu 5 000 euros, la baronne, c'est ça. Benzina, 2 000 euros. Tous ces gens-là, moi j'ai beaucoup de listes. Je te donne Franck Alain, c'est 800 euros. Tu dis non, je prends, je lui donne. On quitte ça. On quitte ça. Ce n'est pas que l'amour va seulement être que avec l'argent des gens. Donc, il faut m'appeler. 5 000 euros. On va écouter. Parce que si on ne te dit pas la vérité, que l'argent que tu reçois au Cameroun, c'est l'argent des gens ici en diaspora qui sont en train de pleurer dans les inbox. C'est venu me trouver. Je n'ai pas fait des efforts. Je n'étais pas là quand on prêtait. Mais quand ça m'a trouvé et que c'est le problème qui concerne Marie-Claude, on prend l'argent, on fait les meilleurs, mais on parle insulter. Bon, maintenant, on a décidé quand même. Quand tu vas manger l'argent là, au pays, il faut savoir que c'est l'argent des gens qui pleurent ici, oh.
Que c'est l'argent des gens qui pleurent ici, oh. De revenir vers moi le matin. 5000 euros. Tu m'as dit hier que je recevais le virement avant midi. Oui. 14h. J'ai rien et je t'appelle, tu prends pas. Tu vois, tu vas me faire perdre patience, quoi. Et je te dis sincèrement, ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler. Écoutons. Essaye de régler le problème là, Michel, parce que ça me fait mal que... Ça cuit dans les inbox. Les gens pleurent en bas. Je n'ai pas les problèmes, quoi. J'ai pas envie, mais le fait que je t'appelle en plus, tu prends pas. Oui. Connecté, je t'appelle, tu prends pas. Oui. Je sais pas quoi en déduire, en fait. Parce que si tu n'arrives pas à me faire le virement de 2200, là, je sais pas comment tu vas faire pour rembourser les 3000. Eh là, c'est mal remboursé, mais... Essaye de... Je sais pas... Michel, j'ai pas envie que toi et moi ça se passe mal. Essaye de tout faire. Je sais pas. Tu m'as dit hier que tu me faisais le virement le matin. Ça fait une semaine. J'attends le virement. Hier, tu m'as dit dernier délai aujourd'hui. Là, je t'appelle, tu prends pas. Je sais. Oui, alors bonjour, mais voilà. Bon. Michel essaie de convaincre Mémé pour les dos, les 5000 euros. Que j'étais qui quand ces gens prêtaient, je suis dans une affaire qui me concerne. Je n'ai rien demandé pour être dans l'affaire. C'est parce que les gens pleurent depuis un inbox. Ils n'ont pas le courage. Comme ça a cuit, je pose ça ici. C'est tout. Quand ils prêtaient, je n'étais pas là. C'est vrai. Mais puisque ça a cuit, les gens réclament leur argent. Il faut que quand Achille Mana mange l'argent au Cameroun, il sait qu'il y a les pleurs ici, des mollets ici là. Il y a les pleurs de mollets en diaspora. Quand il va boire une bière avec les dos qui viennent de Mbeng, qu'il sache qu'il y a les pleurs, que sa chichou, son épouse, son dolo ne dort pas bien. Parce qu'il y a le harcèlement pro max pour rembourser l'argent là. Il faut qu'il sache. Il faut qu'il sache. On ne peut pas garder tout en bas. On va parler bien. Marc Chopin est parti là-bas filmer tout, parler, raconter tout, mélanger tout, salir tout. On va maintenant, comme on a décidé de verser, on verse d'abord tout. Et puis on va ramasser ce qu'on peut ramasser. C'est tout. Il ne faut pas que quand il s'assoit là-bas au Cameroun, il pense que Sanga dort bien ici. Non. Elle ne dort pas bien. Elle ne dort pas du tout bien. Puisque c'est le harcèlement est pro-max. Les pleurs du mollet dans tous les Facebook. Je sors de la banque. Hein. Donc hier, étant donné que c'était un jour férié, le chèque a été pris en compte ce matin. Oui. En milieu de matinée, là. Oui. Donc, normalement, demain, l'argent devrait être sur le compte. Ouais. Et donc, je ferai le virement à ce moment-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Là, je sors à peine de la banque, là. Bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hier, c'était férié. Si hier, c'était pas férié, ça devait passer. Mais là, ça a été pris en compte qu'aujourd'hui, en milieu de matinée. Vous dites qu'on est, on va mettre, parce que Achille Mana doit savoir que tout l'argent qu'il reçoit là, c'est l'argent des gens, de la sueur des gens ici, et que sa coco ne dort pas ici. Sa coco ne dort pas ici. Donc, celui qui n'est pas content, il quitte le live. Je vous le dis, sans état d'âme. Vous encouragez quoi? Quelqu'un qui a gagné très bien sa vie? Est-ce que, normalement même, quand Michel devait même donner, il ne devait pas prendre. Il ne devait pas prendre. Il ne devait pas prendre. Attendez un peu, excusez-moi. Je vais relancer sur ma chaîne. Il ne devait pas prendre. Parce que, c'est pas ton... Si elle donnait son argent, moi, je n'ai aucun problème. Mais les gens pleurent dans les inbox. Donc, demain, j'envoie avec les pénalités. Merci bien. Bonjour. Oui, hello, bonjour, mémé. Hier, je t'ai laissé un voice. Non, là, je viens encore de consulter mon compte. C'est pour ça que je t'ai pas fait signe. Donc, la fille de tu ne dort pas ici. Elle prend l'argent des gens, elle envoie au pays. Mais elle est harcelée ici. Donc j'ai préféré, je vais sortir ça dehors. Pour que quand le 10 des 10 mange l'argent là-bas, ils sachent que l'Angala ne dort pas ici.
S'il est trop fatigué, il dit, soit il coupe les ponts. Et vous qui prêtez l'argent là, sachez que quand vous prêtez là, ça prend le vol. Il faut que quand il boit une bière au Cameroun, il sait que Sanga ne dort pas ici avec les harcèlements de dos. Je vais verser Pian. C'est tout. Alors, sachant, je t'explique encore, hein, c'est ce qu'on m'a dit, et là, je te demande vraiment de me croire. Et de toute façon, tu sais comment ça se passe quand tu déposes des chèques d'un certain montant en France. Oui. Donc, j'ai déposé le chèque avant-hier. En temps normal, c'est Achille et Mana qui devaient s'occuper de Michel Essomba, avec tout ce qu'il a gagné dans sa vie. Est-ce que vous trouvez normal, avec la vie que nous menons ici? Non! Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je suis désolé, ce n'est pas normal. Si vous parlez en bas, là, moi, je parle en haut. Et puis, ça ne chauffe pas. Si vous aimez Michel, ça m'a sauvé là-même de ça. Est-ce que c'est normal que... Maman, tu prends de l'argent pour toi, non? Et ta famille? Tu prends de l'argent pour nos hommes, qu'ils sont les qui? Non! Non, non, non! Si vous l'aimez, il faut qu'on coupe d'abord les ponts de prêter l'argent à gauche, remettre à droite, prêter l'argent. Si elle l'aime trop, elle travaille son argent, elle donne au 10. On n'a aucun problème. Mais si c'est l'argent des gens, les gens pleurent dans les inbox, on va me mettre pourquoi? Je vais mettre Pian. Je n'ai pas d'accord. Moi, c'est venu me trouver. C'est venu me trouver. Je n'ai pas fait des efforts. C'est venu me trouver. Quand ça me trouve, je lutte. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore leur argent. Et ça se bagarre. C'est comment? Le 30, je crois, voilà. Parce que le lendemain, c'était férié. Donc, ce n'était pas considéré. Donc, hier, j'étais à la banque. Excuse-moi, moi, je suis un peu... J'ai l'angine. Donc, j'étais à la banque hier. La dame, elle m'a dit que le chèque a été déposé hier, donc ça sera traité, et que soit c'est aujourd'hui ou demain. Donc c'est pour ça que je te disais que je préfère te dire aujourd'hui, je vais encore vérifier. Là, je viens de vérifier, donc c'est pas bon. Donc je vais encore vérifier en milieu d'après-midi. Et oui, il n'y a pas de souci, je t'enverrai avec les intérêts, c'est prévu. Donc ne t'inquiète surtout pas, je fais de mon mieux. C'est parce que voilà, j'ai déposé. Donc, si le 10, ta femme est harcelée en bengue. Si tu l'aimes, envoie les deux, on va rembourser tout le monde. Donc, parce que généralement, ça dépend. Parfois, ça en prend 48 heures, parfois 72 heures. Donc, ça puis elle ne dort pas. Et ça, c'est normal. Non, dès que c'est bon, je te tiens au courant, s'il te plaît, t'inquiète pas. Donc, j'enverrai avec les intérêts. Donc, tu t'inquiètes pas pour ça. Ok, merci encore, désolé. Je fais au mieux, ne t'inquiète pas. Voilà. Oui, bonjour Michel. Le 10, Tanga ne dort pas ici, là. Ça ne donne pas, non? Le dé est fini. Cotiser l'argent, là. Elle a dit partout que vous devez vous marier. Cotiser l'argent, là, tu envoies, on partage ici en diaspora, on quitte ça. On quitte ça. On ne peut pas travailler ici, là, on envoie l'argent au pays. Non! Comment? C'est là que tu es un bandit. Mon frère, donc, quand tu chopes les dos, là, il faut savoir que Tanga ne dort pas ici. Ça cuit ici, là. Crois-moi, moi, je commence à perdre patience. Hein. Oui? Et je viens de remettre Liliane à sa place, là, parce que je lui avais donné mes sous pour prêter à quelqu'un. Mm-hmm. Je ne savais pas qu'on a remboursé ça chez elle, parce que je n'étais pas là. Et elle a ce maintenant qu'elle m'a... Les gens me demandent que le problème d'Achille, c'est où? Son problème est parce que le problème d'Achille, c'est où, comment? Vous ne voyez pas le problème? Nous étions assis ici au calme. Les voix de Marie-Claude sont sorties. Au lieu de protéger celle avec qui il vit depuis 5 ans, il a livré à la vindicte populaire via Matezoa, qui vient insulter tout le monde. Et on se rend compte que même celle qu'elle protège, elle doit l'argent à toute la diaspora. C'est son. Donc il faut qu'il soit au courant. Que l'argent qui mange là, Sanga ne dort pas ici. C'est le message que je lui envoie. Comme il chope les dos là, ça cuit en diaspora parce que tout le monde réclame son argent. C'est tout. Vous avez compris avec quoi? Le piment est fermé. Le circuit de piment est fermé. Ça ne donne plus. Le piment est fermé. Comme le piment est fermé,
péter à gauche, remettre à droite. Mais le problème, c'est que quand tu pètes à beaucoup de personnes, à la fin, ça crée l'embouteillage. Et les pleurs sont dans mes inbox. Comme les pleurs sont dans mes inbox, il faut couper les ponts de près. D'abord. Donc, si lui-même, il ne reçoit plus les dos là-bas, au pays, qu'il sache que la diaspora est alertée. Il n'y aura plus les dos. Donc, si elle va lui envoyer les dos désormais, c'est son argent. Ce n'est plus l'argent qu'on a prêté à gauche, on a prêté à droite. C'est son argent. C'est de ça qu'il s'agit. On va d'abord couper le pont des prêts à gauche et à droite. On rembourse d'abord tout le monde et après on voit clair. Maintenant, si il aime trop l'anga, parce que ça part de là. Les problèmes de Facebook partent de Matt Chopard qui va narguer Marie-Claude que oh, c'est Michel et ça. Oui, on va pleurer notre belle-mère et tout et tout. Vous pleurez le deuil avec l'argent des gens dans vos poches. Non, 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 on va parler de ça. Bon, maintenant, elle ne dort plus. On va mettre d'abord ça. Elle ne dort plus. C'est tout. Peut-être à donner plus de 5 000 euros. Sincèrement, comme je lui ai dit, quand j'occupe mon argent, elle me donne. Parce que le fait même de venir vers toi, quand tu me parles d'échec, elle me dit que tu lui as parlé d'un remboursement dans le magasin. Sincèrement, arrangez-vous, vous deux, vous me donnez mes sous. C'est ce que je viens de dire à Liliane là. Parce que je suis en train de passer pour une menteuse. Parce que Liliane m'aurait dit quand la personne, on avait remboursé ma dette chez elle et qu'elle te prêtait. Moi, j'allais dire non. Moi, j'allais lui dire non. Parce que j'avais dit qu'elle garde mes 5 000. Elle prend les 2 000, elle me cotise. À mon retour, j'allais récupérer les 3 000. Ou bien elle déposait ça à mon fils. Maintenant, elle me dit que les 5 000 même sont chez toi. Ma soeur, pardon, moi, je ne veux pas les problèmes. Comme j'ai dit à Liliane. Elle ne dort pas, non. C'est la bagarre, c'est dans ses inbox. Parce que là, tu me parles d'échec. Elle me dit que, elle me supplie que non, tu as dit que tu attends un remboursement, je ne sais pas. Michel, s'il te plaît, tu sais que moi, j'ai du respect pour tout le monde, mais je n'aime pas qu'on me pousse à bout ou bien qu'on me prenne pour une idiote. C'est la bagarre générale, non? Franchement, là, ça suffit, là. Parce que je ne comprends pas les histoires d'échecs, là. Quand tu déposes un chèque, enfin, moi j'ai des comptes, même. Quand tu déposes un chèque, ça dépend du montant, mais si tu as l'habitude de déposer les chèques, c'est 48 heures, s'il te plaît. Essaye de t'arranger. Tu me fais déjà le virement de 2 000. Et tu vois comment tu vas donner 3 000 à Liliane ou bien tu vas me refaire le virement. Parce que moi, les conneries là, comme ça, moi, je commence à perdre patience. Hein. Moi, je ne savais même pas. C'est quand je réclame mon argent maintenant qu'elle me dit que ma soeur, excuse-moi, on m'avait donné comme Liliane. Tout ça parce qu'on court après les intérêts. Mais elle dirait même qu'il n'y a pas de problème. Mon argent, pardon. Moi, je n'ai pas envie que tout le monde, on arrive à un point où ce n'est pas bon. Pardon. Pardon, et je viens de dire la même chose à Liliane. Il faut rembourser. Et qu'elle me donne mon AGS avec toi. Parce que je ne t'étais pas prévu. Christian Yombo, t'as 1500 euros là, on va demander ça. C'est comment? Il faut que Achille et Manami aient 20 000 euros, on partage à tout le monde. On va me faire échec comptine là. Est-ce que moi je devais faire échec comptine? C'est quoi ça? Moi je veux bien être passé, mais tous les jours il y a une nouvelle version, mais Michel, attends, respectons-nous quand même. S'il te plaît. Tu sais, moi, j'ai du respect pour toi. Tu es une fille que j'apprécie bien sûr. Voilà! Mais il ne faut pas quand même qu'on exagère quand même. C'est ça. Quand même. Il faut raboucher. C'est ce que me dit le sac. Si tu as d'abord parlé de sac, j'ai laissé. Maintenant, c'est le chèque. Attends, Michel, quand même. Ce n'est pas l'argent là qui te manque. Entre nous, ce n'est pas ça qui te manque. Ce n'est pas l'argent là qui te manque, Michel. Donc! Là où on est là, c'est la première personne. Nous allons écouter d'autres personnes. Il faut que le 10, si Marie dit Francky, sache que ça a cuit en diaspora. Ça a cuit. Qu'on rembourse tout le monde, chacun rentre en zone. Si elle veut donner même 100 000 euros au 10, on s'en fout. Mais pour moi là, avec la vie que ce monsieur a gagné son argent. Le 10 a très bien gagné sa vie. Comment on fait pour qu'il se retrouve dans les histoires qu'on prête de l'argent à gauche, on prête de l'argent à droite pour donner à Suleiman? Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est joli? Franchement, est-ce que c'est joli? On prête de l'argent à gauche, à droite pour donner à un ancien lion, un notable. Seigneur, qui a joué dans un des grands clubs en Ben. Non! C'est Matt Chopard qui nous a amenés sur ce terrain.
parce que vous voulez humilier Marie-Claude. Vous pouviez prendre cette place en fait le Dicalo. Hein? Est-ce que c'est la place d'un ancien lion et notable au milieu des histoires d'argent, de piment, de ceci, je vais rembourser les tontines? Non! En temps normal, quand tu sors un homme de cet acabit, parce qu'il a gagné très bien sa vie, hein? Le gars, quand il finissait, il avait 100 000 euros de salaire par mois. 100 000 euros, si on enlève les impôts et tout. Donc, minimum, avec les agents, il restait avec 70 000 euros. Il a fait quoi de ça? Où on est assis ici, en train de dire que, ouais, je vais aller pleurer ma belle. Est-ce qu'une femme devait même donner l'argent pour le deuil de sa mère? Non! Jamais! Une femme ne pouvait pas donner. Mais maintenant, la fille de Tui ne respire pas ici. Donc, moi, elle fait ça même. Je ne sais pas si Michel Somada se fâche contre moi. Elle ne doit pas. Maman, elle te sauve la vie. Hein. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Je te sauve la vie. Ne prête plus l'argent. Essaye de laisser. Tu dors tranquille. Laisse. Ne dors tranquille. Essaye de rembourser le reste. Tu dors tranquille. Tu dors tranquille. Non. Essaye de rembourser le reste. Tu dors tranquille. C'est quelle histoire que tu ne dors pas? Ton téléphone sonne à gauche, à droite. Bon. Te voici ici. Ça, c'est Franck Alain, celui-ci, ça passe, c'est 700 euros. Et il dit que c'est quoi ça déjà? Je ne connais pas bon. Ça. Franck Alain, c'est un artiste. Bon, qui c'est Yombo? T'es 1500 euros, c'est toi qui vas voir. Je parle seulement, mais si Achille et Madame m'envoient les 20 000 euros, je vais faire la liste et je vais vous appeler chacun, vous viendrez prendre votre argent. Il n'y a pas de souci. Franck Alain, c'est un artiste. Michel le tacle sur Facebook. Elle lui dit que il commence à s'écrire et tout et tout et tout et tout, tout. Ouais, je te vois dans les soirées. Ouais, gna, 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 gna. Après, il s'échange les WhatsApp. Et Michel et son balu demandent l'argent. Que oh, sa mère est malade, elle a besoin d'argent. Toujours pour vous donner, non? Maintenant, vous allez écouter le début de demandement d'argent. Écoutons. Et c'est quoi cette histoire de 650 euros? C'est pourquoi? On ne s'est même pas encore vu. Bien sûr, je peux comprendre que tu peux avoir un problème, mais on ne s'est même pas encore vu. J'ai cherché à te voir plusieurs fois. On s'est donné rendez-vous, tu m'as jamais honoré. Et l'instant, on s'est été en contact de parler, de te voir. Non, il peut prendre 150 euros donner à une personne, mais on ne s'est même pas encore vu. Elle demandait l'argent au gars. Que tu peux te bloquer. Pour donner, le gars maintenant est en train de marcher jusqu'à la justice va entrer dans l'affaire. Donc il faut dire ça au 10 des 10, le beau des beaux qui est au pays là. Qu'il sache que tout l'argent qu'il mange là, ça ne dort pas ici là. C'est à cuire dans les inbox. Mais on n'a pas cette histoire d'argent. Je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux qu'on te paye 650 euros, c'est ça? 650 euros, ça me garantit à quoi que tu vas me remettre ça, et ça? Ils ne se connaissent pas. Le gars demande que tu me demandes 600 euros, 700 euros, ça me garantit en quoi? Comment je vais faire pour récupérer mon argent? Écoutez le début. Parce que moi, je ne connais pas ces choses. Bon, prêter l'argent, on peut prêter l'argent à sa copine qu'on connaît, à une personne qu'on connaît bien. Mais toi et moi, on ne s'est pas encore vu. Je comprends, mais je peux miser et après demain, tu comprends, c'est 650 euros, c'est pas 150 euros. Voilà. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce que tu veux exactement. Quand tu prêtes 650 euros, où tu veux, c'est quoi ça? C'est pour des tontines, des réunions? Moi, je ne connais pas ces histoires. Ok, d'accord. Ben, essaye de m'expliquer. Donc, et t'as que le gars, et demande les dos. Pour envoyer au pays. Que non, elle dit que sa mère est malade, que sa belle-mère vient de mourir et tout et tout et tout. Le gars dit que mais on ne s'est même jamais vu, tu me demandes l'argent comme ça, comment je fais et tout et tout. Donc ça mélange. Le gars dit que mais je ne t'ai même jamais vu. Elle dit que non, ma belle-mère est morte, c'est que. C'est payé libre ou pas? C'est quoi? J'ai fait ce passé des romans et je ne connais pas ça. Et ton copain est où? Le gars demande que tu me vois l'argent que ton copain est où? Tu as pas de copain.
Mon frère, son copain au Cameroun. Son copain au Cameroun, il attend les dos là. Le gars dit que tu me demandes l'argent que ton copain est où. Le gars assis devant Ria et Western, il faut attendre, c'est le lait. L'argent, son copain assis devant Ria et West Union. Dès que tu envoies la balle serrée, on prend. Bam, c'est le qu'on te donne. Ton copain est où? Attends. Elle m'a dit que là, t'as dit que tu pouvais pas faire le. C'est le Michel. Ria ou Monégram, qui parle avec douceur pour récupérer l'argent. Donc. C'est le rip qu'elle t'a envoyé. Donc, elle parle, elle explique au gars ce qui se passe et tout et tout. Écoutons. Elle t'a appelé ta copine qu'elle a reçue. Donc, le gars, donc, on réussit à le convaincre de s'aimer les dons pour la belle-mère et tout, que non, elle est très malade et tout. Le gars, maintenant, s'aime les dons. Écoutons, on va voir la chronologie jusqu'à les problèmes ont commencé, non? Dites à la chef que les deux qui chopent là, voici ça ici qui a cuit ici. Ça qui veut savoir, hein. Mais apparemment, elle m'a envoyé un message quand même qu'elle a pu retirer. Merci. Coucou, je t'appelle quand je suis au calme, hein. Je suis dehors. Elle m'a dit que c'est bon, elle a retiré. Donc j'attendais t'appeler tranquillement quand je suis à la maison. Tu vois là, je suis dehors et je peux pas rester au téléphone. C'est ça. Ok, merci bien, à tout à l'heure. C'est ça. Oui, bonjour, salut Michel, merci beaucoup. Mais franchement, je participe beaucoup à ta douleur, à ta maman. Mais. Je participe à la douleur de ta maman. Maman! Tiens! Je participe à la douleur de sa matin, Kedai, la belle-mère, non? Il y a la bagarre ici. Moi, je te dis, c'est vraiment tout vert. Moi, je n'ai pas fait les efforts. Je te dis seulement que il faut que tu regardes comment tu vas faire pour essayer de sortir ton gars de là. Il faut sortir ton gars de l'affaire là. Si tu l'aimes, tu cherches un 20 000 euros, tu m'envoies. Ma besoin dit qu'elle a vu ce qu'il y a dans ton compte. Je me rappelle très bien. Elle a dit que Achille n'a pas faim, il a trop d'argent et tout et tout. Parce que parle ici en diaspora à ton nom pour demander. Elle a le dernier Congo, ça même. Elle a demandé 3500 euros à une dame. Je ne vais pas citer son nom. Parce qu'on va t'acheter le billet d'avion pour monter, pour venir la retrouver, pour la voir pour la première fois. Quand on m'a soufflé ça, j'ai appelé la femme, elle a dit que ne donne pas l'argent là. L'argent là devait entrer mercredi. J'ai dit à la dame là que. J'ai envoyé la dame là que, hey, regarde, il y a des pleurs, il y a les 5 000 ici, les 2 500 euros. Si tu donnes ton argent là, je ne veux pas les pleurs du volet. Donc le mercredi, à 12h, 3 500 euros devaient entrer. J'ai gâté. Parce que, elle a dit que c'était le billet pour 3 500 euros pour que tu achètes le billet et tu achètes quelques petites choses, de la nourriture pour amener ici en main. Dès qu'on m'a dit, qu'il devait donner l'argent, je suis allé gâter. Je suis allé dire à la personne que, maman, on a encore été le ressort les plumes des gens que leur argent sont encore là-bas. Tu m'as aussi ajouté ta part. Je n'ai même pas encore fini de régler pour ceux qui sont en train de pleurer. Ne mets rien, c'est bon. Ne mets rien. Donc quand j'ai dit ça, ça s'est arrêté comme ça s'est arrêté là. Et 3500 euros sont restés en banque. Au frais, et on n'a rien donné, et ça a marché. Vous avez entendu avec quoi? C'est moi qui ai gâté l'argent qu'on devait t'envoyer pour le billet d'avion. J'ai gâté. Moi, j'assume, non? Et c'est moi qui fais le Congo ça. Je ne fais pas le Congo ça. Quand on m'a dit, je suis allé aider la personne, je lui ai dit que ne donne pas. Tu donnes ça,
Je ne veux pas voir les peurs du bol. Attends, on a un trop de problème ici là pour régler d'abord pour les autres. Laisse d'abord. Donne les 3 000. C'est ça. Écoutons, on continue. Que vraiment, je comprends pour ta mère et tout. Écoutons, le gars, si aussi son argent n'est pas encore arrivé. Je pense que si c'était comme ça que tu, je pense que tu devais me faire, je n'aurais pas dû. Les pleurs ont commencé parce qu'il appelle, on ne prend pas. Que tu m'as tout me disais. Parce que tu m'envoies les messages et tu les as supprimés. Il est dans un monde là que dans ses pavonettes. Voilà. Mais moi, j'ai fait ça pour voir jusqu'à quel niveau tu vas y aller et quelle confiance. Mais je t'ai fait la confiance et moi, maintenant, je me retourne mal aux côtés de la maman. La même douleur que tu as de ton côté, c'est ce que j'ai aussi de mon côté avec la maman. Mais je t'ai fait confiance. Le gars a pris l'argent de la maladie de sa mère pour lui donner. Parce qu'elle a dit que elle a sa belle-mère qui est d'Aïe. Maintenant, on veut retrouver les dons. Non, elle avait dit que sa belle-mère était malade, un truc comme ça. On a donné. Maintenant, le gars dit que donne l'argent, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Il dit que les billets d'avion qu'on devait donner aux 10 des 10 là, j'ai gâté. Moi, j'assume, j'ai gâté. 3500 euros, elle dit à l'Angala que tu donnes ça. C'est ton. Je ne veux pas entendre les pleurs du bolé. J'ai fermé le robinet. Pian. Ça s'est arrêté là. Il faut que tu prends l'argent. Marc Chopin a dit que tu as les dos. Prends, tu payes ton billet d'avion, tu viens tranquillement ici sans déranger. Je te dis que tu ne dors pas ici. Hein. Moi, je mets ça pour que toi, tu vois. Peut-être que toi-même, tu n'es pas au courant. C'est quoi on est en train de faire, on sauve les gens. Hein. C'est quoi on fait là, on sauve les gens. On ne peut pas laisser comme ça que l'argent, la souffrance des gens, on prend ça comme ça, on partage comme ça à des gens qui ont gagné l'argent. Et là, maintenant, je ne sais pas ce que tu vas me dire, de quel virement. Je ne fais, je connais pas cette clé, je te l'ai dit. Envoie l'argent à ta copine et me fais un truc monogramme comme j'ai fait. Franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire là. Le même truc que tu me dis là, c'est ce que j'ai voulu te faire le virement. Ça ne passait pas. Et tu me ramènes dans les mêmes délires encore. Tu vois, je ne sais pas comment il faut qu'on fasse confiance à d'autres personnes. On ne se connaît même pas bien. Je te le marque seulement, mais je t'ai fait confiance. Le gars ne la connaît pas. Ils se sont aperçus comme ça. Elle a taclé inbox sur Facebook. Ils ont échangé le numéro. Il a donné l'argent. Pour récupérer, c'est le problème. Voici ça ici. Effectivement, je me suis dit que voilà une bonne personne. Mais si c'est le cas comme ça, moi je te dis franchement, je suis à trouver l'argent de la maman. Tu m'envoies l'argent de la maman. Bêta, même si c'est qu'on arrête là, on arrête là. Parce que je crois qu'il était quelqu'un de parole et de bien. Et je constate que c'est pas ça. Merci. Je suis trop énervée là. Je sais trop. C'est pas possible. Faire un virement, s'il te plaît. Ça m'énerve. Je suis en train de craquer là. Est-ce que c'est pas mieux de faire un virement? C'est ça. Maman, les pleurs dans les inbox. Le 10 tanga pleure dans les inbox pour as les dos. Hein. Ça cuit. Ça pleure dans les inbox. Quand on veut pleurer pour demander l'argent, écoutez. Trop énervé là. Oui. Est-ce que c'est pas possible? Bon. Faire un virement, s'il te plaît. Oh, faire un virement, s'il te plaît, ma mère. Ma belle-mère. Je suis en train de craquer. Oh, je suis en train de craquer, je pleure, ma belle-mère. Oh! On peut pleurer sa belle-mère comme ça. Oh, je suis en train de craquer là. Ma belle-mère, oh, ma belle-mère, oh. Envoie-moi vite le virement, je vais au Cameroun pour que ma belle-mère l'entende avec les honneurs. Je suis en train de craquer, je ne peux pas partir, j'envoie ma tesoie. Envoie la jambe, envoie ma belle-mère, pour qu'on fasse le deuil.
Venez m'arrêter, oh. Venez pleurer avec moi, oh. Je vais pleurer avec qui, oh. Maman, quelqu'un que tu n'as même pas encore vu, tu viens avoir tes problèmes en diaspora pour lui, maman. Je dis, les gars là, vous les aimez même souvent. Quelle qualité, non? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Quelqu'un que, selon mes informations, tu n'as jamais vu, à moins que vous ayez vu, franchement, vous faites ça comment? Tu es ici, tu ne dors pas dans tes inbox. Les menaces, c'est matin, midi, soir, pour rembourser les gens. Tu ne dors pas. Tu prends ça pour donner à quelqu'un qui a très bien gagné sa vie. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? La belle-mère, là, tu l'avais déjà vue. La belle-mère que Matezo allait faire le meilleur à l'Oboudi, là, vous l'avez déjà vue un jour. Tu l'avais aperçue. Tu l'avais visitée à l'hôpital. Pourquoi vous aimez mettre vos vies dans les problèmes? Comment vous faites ça? Merde! Envoyez l'argent, oh! Je suis trop énervée. Ouais, aïe. Est-ce que c'est pas possible? La belle-mère, oh. Viens-moi, s'il te plaît. Fais-le pas. Je suis en train de craquer. Je suis en train de craquer, ma belle-mère. Je vais faire un virement. Ma belle-mère, oh. Ma belle-mère, oh. Je suis en train de craquer. Je suis en train de me laisser au sol. Ma belle-mère, oh. La mère du dissort. Maman, tu n'as même pas encore vu la gala, tu n'as même pas vu la mère de cru une seule fois. On est dans les pleurs. Merde! Mais vous faites ça comment? Tchaï! Vous faites ça comment? En tout cas, on va finir. Un virement à ta copine. Attends! Fasse l'envoi comme j'ai fait la dernière fois. C'est pas compliqué, je comprends. Si tu as des problèmes là-bas, des soucis, je comprends. Mais les mêmes problèmes que tu as, j'en ai ça aussi. Et t'as appelé ta copine qu'elle a reçue? Coucou, je t'appelle quand je suis au calme, je suis dehors. Oui, bonjour, ça. Je suis trop énervée là. Oui. Est-ce que c'est pas possible? Fais un virement, s'il te plaît. Fais un virement, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis en train de traquer. C'est un virement. Est-ce que c'est pas mieux que l'environnement? Moi, je suis le seul enfant. Et je suis fils unique, c'est moi qui gâte la maman. Voilà. Moi, lui, il y en a ici. J'ai pris son argent parce que moi, il ne peut pas te faire un virement parce que l'argent. Le gars a pris l'argent de sa mère qui a fait un AVC pour envoyer à monsieur le sommaire. Il marche derrière pour récupérer. On peut faire ça? On peut faire ça? Jusqu'au Jésus n'a pas reçu l'argent, hein? Où je vous parlais là, le gars là n'a pas reçu l'argent là. C'est l'argent de sa mère qui avait fait un AVC qu'il devait envoyer. Il n'a pas envoyé pour donner à Michel Soma. Jusqu'aujourd'hui, l'argent n'en est pas encore arrivé. Écoutez. Mon compte, je vous parle de quoi, je me dis, c'est hyper quoi là, moi c'est, je ne connais pas ça moi. Moi, je ne sais plus son argent, la maman. Peut-être que c'était 700 euros, je t'ai envoyé 650 euros que tu les touches et j'ai fait, comment on appelle ça, l'effet d'envoi m'a fait passer 36 euros et poussière. Mais maintenant, tu m'as promis que non, hier était lundi, que tu m'as envoyé le truc. Mais comme on n'est pas en vacances, pour que je dise que les choses sont fermées. Je suis pas bête. Écoute-moi, je suis loin d'être con. C'est les magasins fermés, ça. C'est les magasins fermés et vous avez fumé et vous m'envoyez. Vous m'avez envoyé ça. Je suis pas bête. Moi, je te fais confiance. Je voulais voir ce qu'à quel niveau. Je connais quelles procédures je peux faire pour que je puisse récupérer cet argent. Je connais les procédures. Mais je veux parler d'ailleurs ça. Si le gars savait Nias, arrêtez ça. Si le gars savait Nias Michel, il n'allait pas réclamer. Il n'a jamais Nias Michel. Ils ne se sont jamais même assis pour boire un café. Arrêtez vos conneries. Le gars réclame son argent. Arrêtez vos conneries. Le gars n'a jamais, il ne s'est même jamais assis avec Michel pour boire un café. Ok?
partie des Camerounais, là, s'il te plaît. Donc, par pitié et par ce respect et par cette considération que j'ai donnée à toi, fais ça le plus tôt possible. Tu m'envoies les 680 euros poussière, là. Je remets à la maman pour qu'il n'y ait pas de problème. Et quand il s'agit qu'on fasse un truc, et là, vous avez le téléphone pour m'appeler. Là, tu peux appeler, mais maintenant, c'est le message qui vient. Tu peux même pas m'appeler. Donc, ça ne... Oh là là. Est-ce que tu peux... Comment on peut faire confiance aux personnes? Comment on peut faire confiance aux gens? Comment peux-tu gâter ce genre de relation que tu trouves quelqu'un de... Ça dit que le gars est tellement dépassé, débordé, incroyable, qu'il demande que... Comment tu fais pour que toi, tu me poses le problème de ton deuil, de ta mère qui est malade, tout ça. Il faut voir comment la dame lui a demandé les dons. Il faut aussi voir ce qui se passe. Quand on te parle, Benzignala, on l'a pris, non? Benzignala, c'est 2500 euros. Donc, vous voulez que Benzignala n'est pas wise. Mais il a prêté aussi. Mémé Kouachou, là, elle n'est pas wise. Ces 5000 euros sont là-bas. Christian Yombo, l'artiste, il n'est pas wise. Il a mis 500 euros là-bas. Ok? Je ne compte pas les gens à qui on a demandé, ils ont refusé. Je ne veux pas citer leur nom. Donc, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Le gars a tout fait pour que ça n'arrive pas sur Facebook. Hein? C'est quoi ces histoires? Écoutons. Je vais prendre un verre de jus. Elle m'a dit que c'est bon, elle a envoyé. Attendez, non, pas ça. Le monsieur ne te connaît même pas, il t'envoie l'argent. Alors que c'est-à-dire que demain, il y aura même les choses plus dangereuses que vous pouvez faire ensemble. Mais il y aura plus confiance. Il n'y aura plus confiance. Si ça pour 650 euros, c'est 680 euros, vous gâtez une relation comme ça là. Ou ta copine, c'est une part de LCM à voir un WhatsApp du Cameroun. Alors que je suis en Europe, elle va m'envoyer un WhatsApp du Cameroun. C'est ça qu'il utilise ici. Mais j'ai compris que ce n'était pas sérieux. Voilà. Un WhatsApp du Cameroun a reçu les dons. Ha! Vous allez partir. J'ai les pieds bien, j'ai les pieds sur le terre ici en France pour savoir comment je peux faire tout ça. Et mais on est Camerounais, je ne veux pas qu'on arrive là. Je ne veux pas bien. S'il te plaît, par pitié, cherche l'argent et tu renvoies ta copine. Parce que le gars ne connaît pas Michel Essomba. Il n'a jamais vu Michel Essomba. Arrêtez vos conneries. Il a fait confiance parce qu'elle a dit qu'elle avait sa mère qui était dans le coma, sa belle mère morte et tout. Il a donné l'argent. Je t'aimais pas, Pourquoi tu dis que mais je te vois souvent affiché avec des garçons sur Facebook, je te vois avec tes copains, mais pourquoi tes copains ne peuvent pas t'envoyer ça envoyer ça à 5 euros? Et la tontine, quand tu vas bouffer ça, c'est moi que je vais manger, non? Tu ne peux pas l'argent aller vivre avec tes copains, avec tes amis. Mais moi, je te fais confiance. Hein? Tu ne peux même pas ma copine que voilà, ma copine est coincée pour la réunion, je vais donner. Mais non. Comment peux-tu regarder ce genre de relation? Mais essaye d'être humain à l'instant où je te parle. Essaye de réfléchir, de fermer tes yeux et de voir que ce que tu es en train de faire, tu es en train de gâcher une bonne relation dans ta vie. Je crois qu'on ne se comprend pas. Je vais l'appeler. Je te tiens au courant. Parce que là, j'aime pas quand je décide de faire quelque chose et qu'on ne me croit pas. Donc, le gars commence à demander l'argent et dit que le gars ne le croit pas. Vous écoutez ça? C'est vraiment vexant. Donc, j'attends qu'elle débauche, là, je trouve une solution avec elle. Et je l'envoie à elle et puis elle t'envoie ça. Elle t'envoie ça aussitôt qu'elle reçoit le virement. J'attends qu'elle débauche et déjà laisser le message. Merci. Mais tu sais, il faut aussi apprendre à me faire confiance. Il faut... Maman, quand la fille te parle inbox, tu vas donner tout ton argent. Elle est douce, gentille. Là, comment elle parle au gars? Depuis hier, c'était pas bon, c'était fermé. C'était fermé. Pareil, oui. Là où j'y suis, je t'ai envoyé la vidéo, je t'ai envoyé ce qui est marqué à l'écran.
je peux pas faire plus que ça. C'est indépendamment de ma volonté. Et j'aime respecter ma parole parce que je n'ai qu'une parole. Et en fait, j'ai mal quand je t'entends parler comme je parle là. Mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et puis, je vois avec ma copine de la Réunion et puis je lui fais le virement. Là, on lui met déjà la pression. Je peux pas faire le virement comme ça. Parce qu'on sait jamais dans le cas de gauche là. Elle me fera signe. Tu fais confiance, tu vois, et je suis resté toute la journée. Je n'étais pas appelé parce que tu m'as dit à 14h. C'était hier. Hier, c'était où vous accueillez. Écoutez, hein, la pression qu'elle a en interne. Il faut biper le disque qu'il a remboursé l'argent parce que ça cuit en interne. Vous savez, même à Paris, là, tout le monde sait. Les gens demandent l'argent en bas. Je dis que j'ai gâté un truc hier, non? Les gens demandent l'argent en bas. Ils n'ont pas le courage de venir dire. C'est parce que les gens qui réclament là, il y a certains qui ont dit qu'ils n'ont pas. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres personnes. Mais le courage est où? Le courage est où? Sachez que votre argent là, ça voyage propre. Puis à rien. C'est le lait qu'on vous donne. Jusqu'à aujourd'hui, je n'étais pas appelé à 14h et je reçois des messages comme ça. Elle a dit qu'à 14h de l'argent. L'argent n'est pas encore remboursé. Mais ce n'est pas de cette manière. Moi, je te dis à 14h, moi je vais faire à 14h. Moi, je suis comme ça. Je dis 14h, 14h net, je t'envoie la chose. Tu vas me dire comment je suis. Et c'est ça, et c'est la parole, c'est la parole qui fait l'homme. Elle a compris ce que je voulais créer avec toi. Voilà! Vous vous rendez compte que je ne peux même pas vous faire écouter. C'est beaucoup trop. Je vais faire écouter quoi et laisser quoi? Je vais vous faire écouter quoi et laisser quoi? C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. C'est très grave. C'est très grave. Donc moi, je vous dis une chose. Pour moi, c'était important de parler au Camerounais, je vais finir le live par là. Vous qui prêtez l'argent à Michel Essombala, ne venez plus pleurer inbox. Sachez que c'est la loi du Ponzi. On prête à gauche, on remet à droite. On répète à gauche, on remet à droite. Et quand on réunit, on envoie au beau des beaux. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut souffrir en même. Porter son argent et aller donner à quelqu'un qui a très bien gagné sa vie. Excusez-moi, ce monsieur, le 10 des 10 a trop bien gagné sa vie. Ce n'est pas quelqu'un qui a souffert. Si cet argent même, il donnait à des orphelinats, à des gens qui ont faim, je n'allais pas me mêler. Mais comment on va? Nous, pour que quelqu'un gagne son argent ici, il souffre. Moi, je crois que le SMIC en France, c'est 1 500 €. Donc, quelqu'un porte 5 000 €, il te donne. Tu donnes à quelqu'un qui a gagné très bien sa vie. Et puis, on va pas parler. Donc, vous là, en France là, qui prêtez l'argent, c'est à vos risques et périls. Sachez que ça cuit dans les inbox. Ça pleure propre. Ça pleure propre. Et puis, ça me fait mal de voir ça. Quelle déchéance, quelle honte. Est-ce que Achille Eman avait besoin de ça? Quelqu'un qui a super bien gagné sa vie. Quelle déchéance. Comment il a fait pour se retrouver au milieu de tout ça? Tu sautes avec Marie-Claude là qui est au courant. Tu as posé juste tes pieds dans notre... avec Michel et Soba. Nous voici assis par terre. À décortiquer ta vie, à expliquer ta vie, à dire comment tu as gagné, tu as perdu. C'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Après une carrière aussi brillante, où on a gagné autant d'argent, te voici qu'on traite de gigolo. Quelqu'un prête l'argent partout pour venir te donner. C'est pas la honte.
C'est pas la honte. On dit qu'on pleure une belle-mère qu'on n'a pas vue. Toi-même, tu n'as jamais bien vu la fille là. Vous voyez via WhatsApp vidéo. Mais je te dis une chose. Achille, ce qui se passe, c'est que tu es piégé. La fille là t'a donné l'argent. Elle t'a aidé. Elle a pleuré. Si tu tentes de la quitter maintenant, tes choses vont se retrouver. Nous, on est sur Facebook. Quand elle va commencer à te clasher sur Facebook, nous, on va venir allumer le feu. Sans état d'âme. Moi, je te dis ça, hein. Bienvenue dans le club. Moi, je te dis ça sans état d'âme. Parce que si maintenant, là, tu la laisses, après tous les efforts, là, où je vois, attends, on va voir un peu ses statuts. On va voir un peu ses statuts. On va voir un peu ses statuts. On peut déclarer l'amour comme ça, mon frère. Voilà ses statuts, hein, parce que peut-être tu ne vois pas qu'elle t'aime. Attends, je cherche le deuxième statut. Attends, je cherche le deuxième statut. La fille dort avec tes photos, elle se réveille avec tes photos. Sur les statuts, regarde. Tu es partout sur ces statuts. C'est écrit, j'étais mon bébé d'amour. Donc, si toi là, là voici, elle t'a assumé en mi. Puisque toi tu ne l'assumes pas, toi tu l'assumes dans le noir. Elle a dit qu'elle est la panthère du 10. Michel Essoba, c'est la panthère du 10. Elle t'assume. Oh, et puis, il n'y a rien. Tous ces statuts-là, c'est toi qui es là. Il y en a 24. Comme ça. Et tu es là partout, avec le ndolo. Elle te montre. Hey, on peut aimer quelqu'un comme ça, mon frère. On peut aimer comme ça. Hein? Te voici ici, là. Donc, mon frère, te voici ici. Mon gros bébé d'amour. Hey! Les déclarations d'amour. Maman. Mon gros bébé d'amour. 10. Qui donne les gens sont mis à l'aise dépressif à Tango Asia. Chut, silence. Maman. Elle t'assume. Toi, tu n'assumes pas. Le 10. Non! On est assis parce que ton nom est 1. Hein? Te voici ici, là, partout, partout, que oh, mon bébé d'amour, tu es sur tous les statuts, Instagram, WhatsApp, machin. Maman, elle t'assume bien. Tu ne vas pas nuancer dans le noir, on ne va pas parler. Non, voilà ça. Elle t'assume. Elle t'assume bien. Bon, toi, tu fais seulement derrière, que oh, je ne l'ai jamais vu. Il faut savoir que tu es déjà avec nous ici sur Facebook. Et n'oublie pas. Le jour que tu vas faire l'erreur de dire que tu pars déjà, parce que ça a cuit sur toi. Tu as les dos, tu as chop, tu veux go. Papa, la fille que moi-même, si elle veut me voir dans les balles, si tu veux parler, je vais lui donner que maman, voici la caméra. Il faut parler. Moi, je dis ça doucement, hein. Parce que c'est vous qui êtes venu avec ça, que les mamans, mon bébé, mon chouchou, mon amour, il faut seulement épouser la fille là. Parce que tous les problèmes qu'elle a en diaspora là, c'est de ta faute. C'est à cause de toi. Tu vas seulement l'assumer bien. Je vais dire ça comment? En français, en allemand, en chinois? Oui! Le jour que tu tentes de dire que tu ne veux plus, parce qu'elle s'est endettée ici, là, pour envoyer les dos là-bas. Si tu ne veux plus, maman, Michel Essoba, mon téléphone est ouvert. Tu m'appelles, non? On va poser la caméra, tu expliques. Pourquoi tu as prêté l'argent? Qui était où? Qui est parti prendre l'argent? Tout ça. Je pose ma caméra, tu parles. Et puis ça ne chauffe pas. Donc tu vas seulement l'épouser. Parce que dans sa tête, là, elle sait que tu vas l'épouser. Elle s'endette comme ça, sachant que tu vas l'épouser. Les dettes vont devenir pour eux. Parce que quand vous mariez, vous prenez vos dettes ensemble. Donc vos dettes seront mélangées. Et tu vas aller travailler pour l'aider à rembourser tout le monde. Tu crois que quoi?
Donc elle va t'envoyer, tu vas faire la vie au Cameroun et la chasser. Non, non, non. On est seulement là. On va vérifier que tu parles à doter. Tu vas seulement aller doter Michel Essomba. C'est tout. Elle ne peut pas... Mais est-ce que la fille de Trudeau en diaspora? Tu vas la doter. Tu vas la doter même par force. Donc, Michel Essomba, le jour que Achille est malade, qu'il ne veut plus le mariage, mon téléphone est ouvert. Nous, on va t'aider. Parce que la session va aller jusqu'au bout. Moi, je vous ai dit que j'ai l'énergie. Je ne laisse pas. Si il veut, il va seulement t'épouser comme il t'a promis. Parce que tu ne peux pas prendre tous les crédits que tu as, tu ne dors pas. On ne va pas. Non. Non, il va finir, il va partir comme ça. Non, 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 non. On est assis par terre. On ne laisse pas. On ne laisse pas. J'ai dit ça comment? Matezoa, tu dis que je ne suis pas belle. Voici mes doigts. Regarde comment je suis belle. Matezoa. Mes doigts ont la même couleur que mon visage. Mes doigts ont la même couleur que mon visage. Sans tricher. Mon corps a la même couleur que mon visage. Sans filtre. Sans filtre. Montre aussi pour ton voix. Quand je suis belle. Tu crois que belle, c'est... Tu peux, tu mets 10 kilos de filtre, tu viens bavader. Quand tu me regardes la naturelle, là, je suis une laide femme. Je suis une laide femme. Je dis, mais voici mes doigts. Les doigts d'une femme. Propre. C'est le même couleur que mon visage. Il n'y a pas une couleur qui dépasse l'autre. Voilà ça. Propre. Propre. Toi là, tu peux mettre tes doigts comme ça. On dirait le plantain brûlé. Même avec le filtre, tu mets tes doigts là, ça va se gâter. La même couleur que tu as vue là, c'est la même couleur sur tout mon corps. Donc quand vous dites que vous êtes belle là, enlevez les filtres, vous faites les directs comme moi là, sans filtre. Et puis on se parle. Mais direct, c'est sans filtre. Je n'ai pas de filtre là. Je n'ai pas de filtre à ta. Je suis naturelle. Il n'y a pas un maquillage, rien. Naturel. Une femme africaine naturelle. Sans maquillage, sans rien. Je me lève le matin, c'est comme si je n'ai pas dormi. Je me lève le matin, c'est comme si je n'ai pas dormi. Mon mari ne s'est jamais réveillé, il a cru qu'il a un masque à côté de lui. Quand il se réveille, il sait que la même couleur qu'il a laissé quand il dormait, c'est la même couleur qu'il laisse quand je me réveille. Il n'y a aucun, même le fond de teint, il n'y a pas. C'est ça qu'on appelle la beauté naturelle. Tu as compris avec quoi? Que oh, je suis belle, et c'est belle, c'est belle. Montre aussi tes doigts, on voit. Faut pas venir nous pomper là ici. Voilà. Donc, je voulais dire que. Je voulais dire que. Tous ceux qui m'ont vu en vrai, ils savent que je suis la même chose. Hein. Ah, les gens me disent même que en vrai, je suis plus belle même que la caméra. Hein. Les gens me disent ça quand ils me voient en vrai. Ils disent que mais la baronne, tu es très belle en hors caméra. Beaucoup de gens me le disent, hein, des gens qui font le foot, ils disent, mais tu es même plus belle en vrai qu'en caméra. Donc Matezoa, là, il t'a vu, hein, tes couleurs sont mélangées, on ne peut même pas s'en sortir. C'est toi qui as mis Michel Essomba dans les problèmes. Michel Essomba, il faut quitter Matezoa là. Elle a déjà dit hier qu'elle t'a averti que c'est toi qui gâtes la vie d'Achille Mana. Qu'elle t'a dit que tu dois arrêter de publier Achille Mana sur tes pages. Elle dit que t'as dit ça. Donc elle t'a appelé inbox, elle t'a dit ça, elle est venue dire ça sur internet. Que c'est à cause de toi que la vie d'Achille Mana est dehors. Elle a dit ça hier. Voilà ta mère qui te critique à mon de vision. Quand on a son enfant, on critique dans la maison, on la protège hors caméra. Mais Matezoa t'a déjà critiqué hier. Matezoa dit que c'est toi qui expose Achille Mana. Et qu'elle n'aime pas ça. Elle t'a dit ça. Elle t'a dit que tu es en train de gâter la vie d'Achille Mana. Elle a dit qu'elle a dit ça, non. Qu'elle t'a dit ça, inbox. Mais elle est venue encore mettre ça sur internet.
On peut avoir une maman indigne comme ça. Michel Soma, c'était pas de maman là-bas. Mais elle est indigne. Elle te critique derrière. Elle vient encore dire ça sur nous. Nous, on était là quand elle t'appelait inbox pour te dire que ne publie plus Achille le manant. Mais toi, tu publies, tu as quel problème? Maman, assume ton chéri. Mets toutes ces photos. Il y a quoi? Même, tu te réveilles, tu mets. Tu te couches, tu mets. Achille le manant, c'est Balata. Il veut l'amour. Il ne peut pas prendre l'argent sans assumer l'amour. Non. On ne peut pas prendre l'argent sans assumer l'amour. On prend l'argent, on assume l'amour. C'est tout. Oui. On prend l'argent, on assume l'amour. On ne peut pas prendre l'argent, on veut que l'anga soit dans le noir. Maman, fais-toi respecter. C'est tout. Si elle ne t'épouse pas, te voici. Elle dit que les statues comme ça, elle ne veut plus voir. Voilà. Que Achille, mon amour, mon chouchou, mon gros bébé, le numéro 10, la panthère, que elle ne veut plus voir tout ça, que tu déranges. La voici ici. Voilà tes statuts. Elle dit que c'est toi qui es en train de gâcher la vie d'Achille. Avec tout l'argent que tu as dépensé, on te insulte encore sur ça. Ha! Que je t'aime, mon bébé d'amour, que tu déranges. C'est ta mère qui est venue dire ça hier. Ta mère est venue dire ça hier. De te dire que Zoua va te verser ici là. On est assis, non? On est assis. Donc, je veux finir par parler avec Achille et Mana. Le 10. Nous, on était tranquille. Tu es venu me trouver sur Facebook. Avec l'affaire. Si tu étais sérieux, tu aurais pu prendre ta femme, Marie-Claude, la protéger, arrêter tout et ça s'arrêtait. Le jour que tu as amené Marthe Zoua, les vrais problèmes ont commencé. Parce que c'est une... Elle a fait... Achille, tu ne connaissais pas que la fille a fait la bordelerie ici à Machin, à Genève. Mais c'est une grosse bordel. Elle a fait la bordelerie propre ici à Genève. Pendant des années, elle avait les maisons. Hein? Je veux me raconter une histoire. Je veux même parler d'une histoire. Elle a pris une fille à Paris. Hmm? Je veux même dire, parce que ma part n'est pas loin. Mémé, excusez-moi. Elle était en contact avec Mémé Kouchou. Elle dit à Mémé que Mémé peut venir gagner beaucoup d'argent en Suisse. Elle porte Mémé, ils amènent à Genève, dans la maison de Marthe Zoua. À Genève. Ils arrivent là-bas. On dit à Mémé que, assois-toi ici. Il y a les étages en haut. Donc, il y a les chambres de passe en haut. Marthe Zoua est la maquerelle. Donc, on vient, on te touche. Si ça donne, tu montes, tu rentres. Mémé reste là, il dit que c'est ici qu'on gagne la vie. Elle dit, hey! Le lendemain, elle est sortie. Elle est rentrée à Paris, travaille normalement son argent. Marthe Zoua, c'est une grosse maquerelle en Suisse. Mais elle s'est étonnée qu'avec toute la bordelerie qu'elle a fait ici, là, c'est seulement ce qu'elle a fait là. Et elle nous pompe l'air. Avec une vieille maison qu'elle bavarde, qu'elle est trop installée. Pourquoi elle n'a pas construit en Suisse? Si elle était très forte, pourquoi elle n'a pas acheté en Suisse? Si elle avait la force. Pourquoi elle n'a pas acheté en Suisse? Elle a voulu mettre Mémé Kouchou dans la bordelerie à Genève. Hein? Les maisons de passe qu'elle avait à Genève, là. Il faut dire aux gens pourquoi ton mari t'a quitté. C'était à cause de la bordelerie. Il t'a attrapé avec un homme sur le lit. Il t'a attrapé avec un homme sur le lit dans la bordelerie à Genève. Le monsieur a dit que c'est bon. C'est pour ça que le monsieur t'a quitté. Marthe Zoua, tu es une grosse bordelle. La bordelerie, c'est toi. Tu es une grosse maquerelle. Ton mari t'a quitté à cause de la bordelerie. C'est ça. Tu veux mettre tout le monde dans la bordelerie. Une grosse sapin comme ça là. On t'a dit que moi là, j'ai toujours montré ce que je fais en Suisse. Je vous ai toujours dit que ma vie est en chantier. Mais ma vie n'est pas cachée. Je suis venu, je me suis marié. Je suis allé à l'école. J'ai fini. Je travaille dans le même groupe depuis près de 20 ans. Je peux montrer, c'est-à-dire que si on demande que tu travailles, je peux montrer mes fiches de paye de 20 ans, où je pars toujours au travail.
En dehors de tout ce que je fais, mes business à gauche, à droite, par rapport aux artistes, je travaille normalement. Marthe Zoua peut nous montrer une fiche de paie ici. Elle peut montrer une fiche de paie qu'elle elle s'est levée le matin, elle allait travailler. Elle peut montrer une fiche de paie. Elle peut montrer que la bordellerie. Et c'est toi qui es venu mettre Michel Soma dans les problèmes. Michel Soma, si tu es intelligent, il faut fuir la fille là. C'est elle qui t'a mis dans tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Oui. Donc, Marthe Zoua, tu es la dernière au Cameroun. Arrête de pomper l'air aux gens. Tu as dit que le pays là t'appartient, non? Ok. Les Amoubou Bering a été plus fort que toi. On connaît la suite. Continue à sortir ta large bouche sur la vie des gens. Tu vas comprendre ça un jour. Tu vas comprendre ça. Mais Santa l'a raté. Il t'a fait condamner à 3 millions. Tu as dit que tu ne payes pas, non? On est assis ici. Le temps, c'est important. La mère, là, il sera sauvé. Ce que tu as fait à ce monsieur que tu nous as montré ici, là, et comment tu l'as traité pour finir, le Seigneur ne va pas accepter ça. Je peux te le dire. Ce que tu as fait à ce gars-là, tu paieras le prix sur cette terre. Tu as fait trop de mal à ce gars qui est mort, Lambert. Et tu paieras le prix. Tu paieras le prix. T'inquiète pas. C'est une question de temps. Dieu a le temps pour régler ses problèmes. Donc, je vais finir par là en disant à Michel Essomba que rembourse les gens. Tranquillement, tu quittes ça. Rembourse les gens. Laisse le meilleur de Facebook. Rembourse les gens. Rembourse les gens. On va finir par quelques voix. Allô, oui, bonjour Michel. Il est presque 14h. La moindre des choses, je pense que c'est à toi de revenir vers moi le matin. Tu m'as dit hier que je recevais le virement avant midi. Il est 14h. J'ai rien et je t'appelle, tu prends pas. Tu vois, tu vas me faire perdre patience, quoi. Et je te dis sincèrement, ça commence à me gonfler. Ça commence à me gonfler. Les menaces de ça. Essaye de régler le problème, là, Michel. Parce que ça me fait mal que ça finisse pas les problèmes, quoi. J'ai pas envie, mais le fait que je t'appelle en plus, tu prends pas. T'es connecté, je t'appelle, tu prends pas. Je sais pas quoi en déduire, en fait. Parce que si tu n'arrives pas à me faire le virement de 2200, là, je ne sais pas comment tu vas faire pour rembourser les 3000. Elle doit 5000 euros. Essaye de. Ici. Je ne sais pas. Michel, je n'ai pas envie que toi et moi, ça se passe mal. Essaye de tout faire. Je ne sais pas. Tu m'as dit hier que tu me faisais le virement le matin. Ça fait une semaine. J'attends le virement. Hier, tu m'as dit dernier délai aujourd'hui. Là, je t'appelle, tu ne prends pas. Je sais. Oui, alors bonjour Daniela. Là, je sors de la banque. Hein. Donc, hier, étant donné que c'est un jour férié. Bon. Attendez, excusez, je suis en train de. Donc, normalement... Là, voilà qu'on est en train d'agresser partout. Et donc, je ferai le virement à ce moment-là. Bon, nous allons finir par quelque chose. Nous allons finir par quelque chose. Attendez. Tu sais, Michel Essomba, quand on veut mener la bagarre, on regarde qui est en face. Je vais te montrer une chose. Ma soeur, laisse-la faire là, tu enlèves tes pieds. Je suis allé chercher la vidéo ici quelque part. On finit par là. Voilà qui que tu combats.
Regardez sa maison, hein. Regardez ça. On peut bagarrer avec quelqu'un comme ça. Maman, on peut bagarrer avec quelqu'un comme ça. Regarde la fille ici. Mais regardez, non. Quand tu parles même à la guerre, il faut regarder ton adversaire. Regarde la fille ici. Quand tu la vois là, franchement. Quand tu vois la fille ici, et c'est le gars de 10 francs, mon frère. C'est pas le gars de 10 francs. Hmm? On va finir, on va te laisser. On va finir de chop tes dents, on va te laisser. Regardez cette fille. Quand toi-même tu vois, c'est une métisse, hein? Ce n'est pas un jansan. Elle est métisse. Elle est métisse. Ce n'est pas un jansan. Elle est métisse. Oh, quand tu vois ton adversaire, il faut parfois regarder l'adversaire avec qui tu es en face. La mère. Tu peux bagarrer avec la fille. Voilà, c'est elle, hein. C'est la maison de Langa. Chez elle. Je suis allé piquer ça sur son Instagram. C'est sa maison au Cameroun. Bon, Zoa, quand tu regardes la maison, c'est avec ce que le petit truc que tu as là. C'est le jour et la nuit, non? C'est le jour et la nuit. Pourquoi vous avez le gros cœur? Vous voulez chercher les problèmes, vous n'avez pas la force. Regardez la maison de quelqu'un. Regardez le palace. Pourquoi vous aimez les problèmes pour rien? Regardez la fille, mais ici. Vous pouvez bagarrer la fille ici. Vous pouvez bagarrer la fille ici. Il faut regarder ton adversaire. Il faut regarder ton adversaire. Langa n'a jamais demandé l'argent à gauche, à droite pour donner à son gars. Elle a la politique de ses moyens. Bon, à peine tu connais le gars, il y a les pleurs dans tout Facebook, dans la diaspora. Parfois, quand tu vas aller en guerre, observe ton adversaire. Si tu vois que ton adversaire te dépasse, tu passes ta route. Oui, vous ne pouvez pas la faire ici. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non. Il faut regarder avec qui vous voulez bagarrer. Et mais, franchement, quand Zoa même regarde où cette fille habite, sa maison, sa propre maison au pays, c'est le jour. Franchement, quand tu regardes même d'abord la lumière qu'il y a dans son balcon, tu es calme. Excusez-moi, tu es calme. Elle ne loue pas, c'est chez elle. Vous voulez lutter avec qui? Moi, je t'ai dit, Michel, laisse le gars là. Ce n'est pas parce que il ne faut pas que ton malheur vienne à cause. Le gars là, lui veut seulement choper tes dos. Il faut dire les vérités. Il veut seulement choper tes dos. Il veut seulement choper tes dos. Et moi, je t'ai dit que le jour que tu es fâché, que ça a cru, tu me versais, tu me contactes, je te donne ma page. Voilà. Je te donne ma page, non? Parce que c'est à cause de lui que tu as tous ces problèmes. Je te donne ma page que ma fille. Exprime-toi. J'ai quoi à perdre? J'ai quoi à perdre? Je te donne ma page. Tu parles. C'est tout. Tu sais? Que elle n'est pas métisse. Voilà. Merde. Non, faut se calmer. Ne cherchons pas le problème. Là, on n'a pas la force. Bon. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Parce que je vous remercie tous d'avoir pris le temps de regarder ce direct. C'était un peu long. Je n'aime pas les longs lives, mais il fallait que je finisse avec cette série. Parce que je pense que c'est terminé, je ne vais plus parler de ça. Sauf s'il y a une information capitale.
Je ne veux plus parler de ça. Je veux me concentrer à d'autres choses. Je veux me concentrer sur les listes électorales, au changement, chez nous, tout ce qu'il y a à parler du Cameroun, les artistes, leurs actualités, les concerts. Je vais recommencer. Et sauf s'il y a quelque chose qui se passe, je vais revenir parler de l'affaire. S'il y a quelque chose qui se passe, je viens parler de l'affaire. Mais s'il n'y a rien, hein, je ne parle plus. Marc Zoua, tu peux m'insulter un matin, mais ça ne te gère pas. Tu ne sais à rien. Tu es une pauvre femme. La pression même t'a dépassé ici à Genève. Tu es quoi? Tu es quoi? Une femme qui marche dans les bureaux pour manger les ailes de poulet. Tu sais à quoi? Tu ne sais à rien. Tu ne sais à rien. Caïman, when I need you, oh yeah, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. À très bientôt, je vous adore, bisous.